when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play far reaching greatness, relentless, you survive. Bonsoir, ploup, et bienvenue. Donc là, les amis, ça fait un moment qu'on l'a dit, un moment qu'on en parle. Beaucoup trop de temps, d'ailleurs. Mais ça y est, on a enfin trouvé un moment, trouvé le moment, en tout cas, pour que le retour de Krakito et Krakita soit de retour. On va attendre que Flouchi arrive. Et là, on va être parti. Waouh, que d'émotions d'y penser à ces jeux, à ces heures de jeu qu'on a fait avec avec Flush dessus. Le nombre de fois où on s'est crié dessus, le nombre de fois où on a eu des fous rires, des moments de peur, des moments aussi entre guillemets de terribles ennuis. Et je trouve ça incroyable qu'on y retrouve aujourd'hui, en fait, qu'on s'y retrouve enfin après des années d'absence. Les amis, We Were Here Forever, le dernier de la liste. On va être reparti avec Flushy. Bonsoir. Salut copine. Ça va? Comment il va? Ça va tranquillou. Je suis en train de paramétrer le jeu là, donc... Oui, et oui, le retour de We Were Here, voilà. On le redit. We Were Here. We Were Here. Tout est trop fort, beaucoup trop fort. De quoi? Sur le fond du jeu, pour toi? Ouais. Un sub.
Ok. Je t'envoie une invitation. C'est beaucoup plus simple d'inviter, j'ai l'impression d'ailleurs. Comment il va, Marty? Tu m'as invité, moi, oui. Bah oui. Oui, mais c'est moi qu'il faut inviter. Ah, je pensais que, c'était le compte à Marty que tu prenais, toi. Mais non, il m'a partagé cette chose, c'est mon compte à moi. Ah bah, je vois que Marty en ligne. Du coup. Bah, moi, je me vois bien, moi. Au pire, invite-moi si toi tu peux. Tu regardes. Comment on fait? Inviter? Après, peut-être qu'il faut que j'aille sur Steam, moi aussi. Attends, je vais aller sur Steam, moi aussi, pour... Tu m'as vu? Tu m'as trouvé? Non, moi, je te vois, hein. Ouais, invité. Merde. Envoie de l'invitation. Je sais pas d'où l'invite. Ah si, c'est bon. Ça fait, Bon, là, franchement, c'est beaucoup plus simple d'inviter, j'ai l'impression, dans le jeu. Oh, c'est bon. Le donjon. Déjà, ça commence. Donjon. Ouais. Contrôle des champs d'armes. Ah, oui, d'accord. Attends, déjà, faut déjà régler les paramètres. Là, je suis déjà dans le jeu. Ah ouais. Ouais, mais ouais. Pourquoi je suis pas en poche aux autres? Non, bah je pense que ça s'active pas forcément automatiquement. Vidéo, clavier. Normalement, j'ai coupé en plus moi le paramètre du chat. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah moi aussi, je suis en zéro, c'est bizarre. Bon, bref. Ça va et toi, BG? Bah écoute, super bien, hein, je suis tellement content. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment-là. Et là, de me dire en fait, de me remémorer toutes les galères qu'on a eues avec Flush, c'est. Il y a un moment nostalgique, tu vois. Il y a des mèmes dans ma tête qui traînent. Je vois encore ces petits moments à faire un pierre, caillou, ciseau pour savoir qui va crever. Oupsi. Ces moments où on est sur labyrinthe et on doit dire des gauches-droites à quelqu'un qui ne savent pas dire gauche-droite, qui ne connaissent pas trop sa droite et sa gauche, et qui ne t'explique pas forcément très bien non plus, donc c'est une galère totale, hein, c'est magnifique. Le seul problème qu'on a là actuellement, c'est qu'on peut échanger les rôles. On peut échanger les rôles. On sait pas qui est quoi. Bah parce que dans Warrior, il y a toujours un mec qui explique un mec qui fait. Mais du coup, on sait pas qui est quoi là. On sait jamais trop quoi. J'ai des preuves. Chiche. Ouais, de ouf, t'as des preuves. Hein. Et ouais. Mais ouais, il y a eu vraiment des très bons moments. Et mais ce qui m'intrigue, c'est que normalement, tu vois, dans Warrior, tu commences. tu commences le jeu. Tu sais, c'est calme un peu. Tu sais, t'as un petit moment où tu cherches, tu fais des petites recherches et tout. Là, tu commences, c'est en prison direct. Attends, j'ai baissé tous les sons parce que là, c'est trop chargé. Vous voyez tous les deux, expliquez. Voilà. Là, vous voyez tous les deux, expliquez tous les deux. Genre, vous êtes toujours ensemble. Oui, non, mais je sais que c'est comme ça dans le jeu, mais il y a quand même des rôles là. Donc... Ouais, bon, bon, puis on s'en fout, on verra bien. Hein. Ah, moi, je suis prêt. Bah, ça va partir dans 9 secondes, les gars. Mesdames et messieurs, installez-vous bien. Ça commence. Hein. Amusez-vous bien. Et allez de secours. Un cosplay, faut juste mettre une parka, quoi. C'est quoi, j'y ai pensé tout à l'heure en plus, hein. Et je me suis dit, fouah, parka, bonnet, parka, là. Parka, quand il fait 25 degrés, là. Oh là là. Let's go. Avec des lunettes, avec les lunettes de trucs. Oh là là, galère. De toute façon, un jour, si un jour on se voit tous en hiver, en Flush et moi, on fera en cosplay, vous inquiétez pas. Oui. Oh, c'est le retour du monstre. Le retour de la marionnette. Bien fait flipper lui, hein. Ah, de fou. Tu te souviens de le truc avec la scène de théâtre là? Oh là 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 là. Ouais. Oh là 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 là, la peur. Pourquoi c'est toujours moi qui l'avais le truc? Par canette de ski, hein. Escape or face defeat. Let's see which fate our guest shall meet. What's up? Bonsoir le. Bonsoir. Oh, mais déjà on n'est pas ensemble. Ouais, là on commence pas ensemble. Mais je crois que si on se fie à l'écran de truc, toi t'es à ma gauche et moi je suis au milieu ou l'inverse. Ah, la porte elle s'ouvre. Je ne vois pas ton écran, Echo, au cas où. La porte elle s'ouvre aussi pour moi. Et oui, non, on s'en fiche de la radio. Il y a pas grand monde quoi. Moi ça. Il y a des champignons. Il y a des champignons, il y a une bougie. Et quelqu'un qui nous a ouvert d'ailleurs. Parlez à votre partenaire. Ah, attendez, faut que je fasse mes touches. Oh non, mais moi j'ai retiré la touche exprès. C'est ça, c'est les mouvements gauche QSD là. Tac, tac. Elle est où la touche pour parler? Ah, puis pour parler, c'est en bas, action, mais. Ouais, mais je vais la mettre sur une touche au cas où on doit le faire. Oui.
Merde, j'ai mis défaut, mais non. Mais quel con. Ok. Attends, mais vous voyez l'écran de l'autre? Mais non. Ah, mais c'est inutile, mais pour non, ceux qui non, jouent ensemble, non. Mais qui ne connaissent pas. Oui, voilà, c'est ça, c'est utile pour les gens qui sont pas sur Discord, mais nous, on est sur Discord, donc... Lefmousse. Bah, pour moi, il faut que j'active quelque chose. Non, c'est bon, moi, j'ai fait quoi que... Blablabla. Ah, ok, je suis sorti du tuto. Chez moi, il y a deux portes qui s'ouvrent pas de nous-mêmes. Attends. Oui, c'est bon. Ah, alors moi, j'ai une, j'ai un code déjà. Un code ? J'ai un code avec des formes. Il y a un éclair, une étoile, un losange, le logo Mercedes. Un autre losange, mais qui fait plus un genre de... Mercedes, ça commence. Il y a un plus. Et le logo YouTube. Alors, moi, techniquement, hein. Techniquement, ça commence. Oui, ça commence. Oui, je vois que le chat, moi. Alors, moi, j'ai beaucoup de salles qui servent à rien, j'ai l'impression. Avec un truc qui s'écrit pour notre... Je comprends pas la police d'écriture. Oups. J'ai un logo, moi. C'est nous un rond. Le... Avec c'est, le... enfin, c'est le fameux logo YouTube avec une étoile dedans. Ok. Ouais. J'ai une porte. Moi, c'est... faut savoir que c'est un code à 3. Hein. C'est-à-dire qu'il me faut 3 formes différentes. Ouais, ça m'arrange pas parce que moi, je n'ai absolument rien. Pour l'instant. Ok. Je vais dire une autre info. Je vois marqué que sur un mur. We are the sum. Donc nous sommes la totalité. Oui, non, en fait, ce que je comprends pas, c'est que moi j'ai une salle, d'accord, qui va dans une salle, qui mène à 1, 2, 3, 4 autres salles, d'accord, qui sont les 3 fermées, il y en a qu'une ouverte. Quand je rentre dans cette salle ouverte, ça me mène encore à une autre porte, qui est elle-même aussi fermée. Et j'ai le logo YouTube avec une étoile dedans. Et sur un autre. Sur l'autre mur, il y a écrit de nos parties. Nous sommes la totalité de nos parties. L'étoile, elle est comment? Elle a 5 branches? Attends. Où elle en a 6? 1, 2, 4. Il y a 4 branches? 3, 4, 5 branches. Il y a 5 branches, donc c'est une étoile normale. Le logo okay. YouTube pointe à droite. Ah, le mien il pointe à gauche, par contre. Oui, il pointe à droite. Ouais, je vais voir ce que je peux trouver. Mais moi, j'ai, en gros guillemets, j'ai rien. Je peux interagir avec rien. Juste des portes fermées. Ok, ça marche. Écoute, moi, le seul logo YouTube que j'ai, je crois qu'il pointe à droite. Ah non, j'en ai un qui pointe à droite aussi. Ok, est-ce que... Attends. Faut que tu ailles retrouver d'autres formes, parce qu'il y a moyen qu'il y a un truc qui connecte. En gros, sur les deux que j'ai... Non, sur les trois, pardon. Eh ben, j'ai un logo YouTube qui tombe à droite. Il y en a un autre qui fait des étoiles. Hey. Merde, je crois que j'ai loupé. Et il manque un dernier logo. Un seul. Merde, à chaque fois je joue Play. T'es sûr que c'est pas genre. Moi j'ai le. J'ai un cercle avec le logo YouTube qui prend à droite avec une étoile et c'est pas tu dois diviser les trois formes. C'est bon, j'ai. Oui, ouais. Tu coco. Ouais. Voilà. Donc c'est okay, bon, ça je vais passer. Ça m'a ouvert une porte. Ok, super. Il fait des aléatoires encore. Et oui, Krakito et Krakita dans la place, toujours. Après c'est pas de l'aléatoire, c'est de la déduction, genre il manquait un truc, c'est bon je défile et je trouve. Lève contrôle, accroupir, ok. Ok, j'avance un petit peu aussi dans les trucs, je découvre un peu. J'ai trouvé quelque chose à tirer. Y'a un monstre. Ok, y a des monstres, y a des monstres dans le jeu. Il y a vraiment des monstres dans le jeu. Il n'y a pas de monstre. Je te t'assure qu'il y a un monstre. En gros, j'ai ouvert une porte via un pont-levis. Ah, enfin, je suis en train de l'ouvrir cette porte. Et il y a un monstre qui était devant la porte et qui s'est barré au moment où j'ouvre oh la porte. Oh non, c'est de la merde. Je suis passé. Il n'y a plus de monstre, c'est porte... bon. Ouais. Ma porte, elle se referme. Ok, c'est bon, j'ai réussi à passer. Alors, j'ai un col à trois formes, si jamais pour toi. Quand il sera. Alors, moi, tout ce que j'ai là actuellement, déjà j'ai un code aussi, enfin j'ai un des formes. Ouais. C'est genre. Oh, c'est trop dur à décrire cette forme là. Dis-moi quoi. C'est genre. Ouais. Une forme à 1, 2, 3, 4 côtés. Ok. Sauf que c'est pas un rectangle, c'est pas un carré. C'est un pentagone, genre... non
Non, c'est 5, t'as dit. C'est un genre de rectangle, en fait. Sauf que la barre du dessus, elle est plus petite et du coup, ça fait plutôt un triangle sans sommet. Ah oui, comment ça s'appelle ça déjà Oui, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. Et du coup, dedans, il y a un demi-cercle et au-dessus de toutes ces formes-là, il y a un éclair qui détruit. C'est la forme que j'ai. D'accord, il y a un éclair, t'as dit. Ok. Alors, il y a un éclair. Par contre, moi, j'ai besoin de ce que tu m'as dit, du coup. Ah, ok, alors écoute-moi bien. Du truc. Écoute-moi bien. D'abord, il y a un cercle. Tout à gauche, genre ? Il y a, en fait, tu verras, tu pourras pas mettre cette édition unique. Ah oui, d'accord. Ok ? Ok, je cherche le cercle. C'est assez unique à chaque fois. Ok, j'ai le cercle. Ok, je vais à ma porte pour moi. Ok, il y a un pentagone. Donc, 5 codes. Bah, j'ai réussi. Par le délire du hasard, comme j'ai cherché le cercle, ça me l'a affiché dès que j'ai trouvé le Parfait. Pentagone. Génial. Ok, du coup, on a ouvert tous les deux la porte. J'ai trouvé une torche. Moi, du coup. Ok. Ouais, voilà. Basculer la torche. Alors, le fait qu'on puisse éteindre et l'allumer, pour moi, ça veut dire qu'on va se faire poursuivre un bout d'un moment et que l'ennemi sera aveugle, je sais pas quoi. Ça me paraît bizarre. Ah, j'ai un monstre. On peut allumer des. Des genres de lampes torches avec le feu. Ouais. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai encore un autre truc avec des symboles. Hein. Ok, ça marche. Bah moi j'ai aussi un truc avec des symboles. Parce qu'en fait moi j'ai un truc à rentrer, c'est sûr, j'ai trouvé le... Tu sais, j'ai trouvé les trucs pour les mettre sur la porte. Bah écoute, moi il m'en manque encore un à trouver. Tu vas pouvoir les mettre. Tu me diras, tu me dis quoi. T'étais en bas ou pas? Quand t'as besoin. Ouais, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. J'en ai trouvé qu'un, il était devant. Si, il y en avait un à côté de la porte et un en bas. Un à côté de la porte? La porte en haut, tu vois. Ouais. Et en bas, il y en avait un autre. C'était côté normal. Non, c'était côté haut, je crois. Ouais. Un brasier, merci Mathieu. Un brasier. Ouais, côté haut, moi j'ai R. Bah, de toute façon, t'es forcément. C'est bon, j'ai, c'est bon, my bad. J'ai pas vu qu'il était caché derrière un truc. Pour les formes, toi, ça va être pentagone, triangle, lune. Pentagone. Cherche. Triangle, mais de quel côté? T'en as des différents? Ouais. Bah moi le pentagone il pointe entre guillemets en haut à droite. Non, le triangle. Oui, le triangle, pardon, il pointe en haut à droite. Oui, il pointe à gauche. Ah non, moi le mien. Ah oui, pardon, non, excuse-moi. Oui, c'est il pointe à gauche, excuse-moi, oui, t'as raison. Je parlais de la pointe, moi, du dessus, mais oui, il pointe à gauche. Et la lune, elle est à l'envers, hein, elle fait. Elle pointe vers le haut. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais ouvrir ma porte, donc je retourne te dire le tien. Tout est à pentagone. Vas-y, tu me dis pour le mien. Bah, moi, t'auras. Le pentagone, je crois. Le pentagone, enfin, ok. Un carré et le genre. La genre de. Trois bizarres, mais tu sais, genre t'as deux barres en bas, droite et gauche, et t'as seulement une barre au milieu qui monte. Ouais, logo Mercedes. Ok. Ouais. Et t'avais dit quoi? Carré, Mercedes? Carré. Bah, fais carré, Mercedes, ouais, c'est le bon. Dernier, normalement c'est pentagone si je me trouve pas ouais, de c'est forme. C'est bon, t'as raison. Déclencher l'émoticône, comment ça? Oh oh oh! C'est T, je crois. C'est-à-dire qu'on peut se voir, je crois. Ah oui, on va se voir, on est tout ensemble normalement. Non, mais là, on va se voir, genre, que si on peut faire l'émoticône, c'est-à-dire qu'on peut se voir. Quelque part. Bah là on peut se voir, je pense que j'ai une galerie à côté de moi. C'est où? Ah, je te vois, regarde. Je te vois pas du tout. Attends, recule. Viens voir. Recule. Il y a un grillage derrière. Ah oui. Oh, copine. Oh, coucou. Les routes, elles s'arrêtent jamais, ça me termine. On se voit là aussi, hein, au cas où. Ouais, on se voit tout le truc, mais je voulais qu'on vienne là-bas parce qu'on se voit plus. On se voit quand même bien, là, quand même. Attends, je suis. Oh, mais oui, on peut bien faire. Oh là 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 là. Pourquoi il n'y avait pas ça avant? Je suis sûr que le jeu s'inspirait de nous. Voilà. Pourquoi je peux pas tenir le levier par contre? Moi non plus. Ah, faut faire en même temps, je pense. Ah, faut rester appuyé. Passe vite. C'est bon, je faisais. Oh, oula, écran, ok. Bon, j'avoue, ça me fait quelque chose, j'avoue.
Il y a quand même une source de plaisir, tu vois, qui reprend là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Zoomer en maintenant le bouton enfoncé. C'est la molette au cas où. Pire. Moi j'ai bien aimé de faire tap ça. Ok, une clé. Ouais, c'est beau par contre, hein. Ah, j'aime bien l'ambiance. Oh, ça commence, hein. Oh, ça commence. Il est giga long le jeu en allant vite. Il y a 80 heures de stream, donc en gros 150 pour nous. Ça marche. 150 ou 30, ça va dépendre du mood. Alors moi j'ai une porte verte, avec un écrou vert dessus. Et une serrure verte, pardon. Et je peux pas l'ouvrir. Je peux t'envoyer des choses par contre, j'ai l'impression ici. Alors, sache que moi j'ai la clé. Est-ce que t'as un machin bleu vers toi? Une serrure bleue ou un truc comme ça? Non, j'ai pas de serrure bleue. Ou une croix bleue, ou une croix, je sais pas trop. Non, mais moi en fait j'avais la porte verte aussi, mais j'avais la clé, j'ai plus rentré. Écoute, je t'envoie un truc. Là, gros, tiens, et moi en gros, si tu es là, à ma droite, va comme derrière toi. Derrière toi, t'as le même pas de contrôle que moi. Vas-y, tu vas le trouver. Derrière toi, vas-y, derrière toi. Sur ta droite. Enfin, ouais, ta droite. À sa droite. Collé au mur, à droite. Ouais. Tu le vois le panneau de contrôle ou... Ouais, je le vois. Ouais, je le vois, mais je peux pas y accéder. Bah, moi j'ai ça en fait. Oui, moi j'ai ça déjà. Et c'est quoi ce panneau de contrôle? Mais attends, je peux t'envoyer ta clé. Mais tiens. Non, mais. Ah oui, bah là, c'est pour ça que je t'ai envoyé la clé bleue. Oui, moi j'en ai pas besoin de la clé bleue. Bah, moi non plus. Je te donne la clé verte, idiot. Oui. Mais la clé bleue, ça sert à rien, toi? Non, mais ça servira plus tard, t'inquiète. Ok, c'est bon. Ah ouais, oh non, c'est logo, moi, tu t'aimes dis des trucs. Ouais, non, mais vas-y, flemme déjà. Alors, attends, si la bleue, j'en ai besoin, il y a une porte cachée. Ouais, je la vois. Ok. La porte cachée, tac. D'accord. Il va falloir qu'on retrouve les signes. Oh, ça me fait déjà mal à la tête. Aïe. Tu pouvais pousser. Non, mais 80. Ah, j'ai une clé rouge. Ah, t'as besoin d'une clé rouge? Ouais. Attends, je te renvoie le. J'arrive pas à pousser. Attends, en fait, j'arrive pas à pousser la porte. Tu me diras quand tu l'as renvoyé ta clé rouge. La porte? Non, en fait, si tu veux, il y a un truc qui est. Non, mais en fait, il y a un truc qui est coincé, genre une genre d'armoire en plein milieu et j'arrive pas à la soulever. Ok. Genre, aller derrière, je pense que ça doit être fait exprès. Mais... Alors, j'ai un truc un peu bizarre. Comme un. Tu sais, les. Ah, moi aussi, j'ai besoin d'une clé rouge, hein. Ah, c'est les trucs de casino. Ouais, mais je crois qu'on peut utiliser deux fois. Donc, faudrait que tu l'ouvres et que tu me la renvoies. Oh là, t'as pas un code Ouais, un code bizarre à 5 formes là. Il faut aller vite, j'ai l'impression. Alors, peut-être pas avec des formes. En gros, moi, si tu veux, j'ai une clé. En fait, il y a deux clés rouges. Il y a la clé étoile et il y a la clé rouge. Moi, c'est le rond que j'ai rond. Moi, c'est rond. Et la clé ronde, en fait, elle est derrière une grille. À côté d'un. Le code, c'est. Tu vois les coffres forts qui font des clics. Tu sais, y a oui, pas de chiffre. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ce que j'ai devant moi. Exactement pareil. Et ben ça, et ben moi, c'est ça qu'il me faut. J'ai 4 cases avec 4 serrures. Et ça déroule tout seul, toi, je parie? Non, je peux les placer comme je veux. Ah ouais? Si moi, je peux rien toucher. C'est toi qui dois me donner le code. Alors, écoute-moi bien, Flash. En bas, j'ai 5 formes qui bougent pas. Et en haut, les 5 formes bougent, mais j'ai un timer à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'il faut aller très vite. Je vois pas de quelle forme tu parles, moi j'ai juste des serrures et en fait cette serrure il y a genre 1, 2, 3, 4, 6 points. Ouais. Je peux mettre sur un des points et je dois le faire pour 4 roulettes. Et c'est quoi ces formes? Y a pas de forme. Mais c'est quoi tes... Ah, okay. C'est pas des serrures quoi, y'a rien. C'est une serrure que je peux tourner et c'est des points autour. Okay. J'ai trouvé un rond avec un 5 dessus. Avec 5 trucs bizarres dessus. Ok, et c'est 5. Il était où, tu penses? Enfin, il était en haut à gauche. Parce qu'en fait, j'ai 4 serrures dans un carré. Mais j'ai trouvé, c'est un objet, je veux dire. C'est un objet. Peut-être qu'il faut faire un truc avec. Il y a un 5 dessus, et c'est un peu comme les machins de musique là où il faut faire. Faut appuyer vite sur les machins. Et moi, je pense que tu vois les. Tu vois le panneau de contrôle ou pas? La clé étoile rouge, j'en ai besoin aussi. Ouais. Bah oui, tout le monde, j'en ai besoin aussi. Ok. J'ai trouvé aussi un 2, j'ai trouvé la même forme avec un 2 et un 5 du coup. C'est quoi ça? Je sens que je vais un petit peu découvrir. Ah, je te vois, ouais. J'essaie de faire le panneau de contrôle parce qu'il faut juste remettre les symboles à leur truc. Ah, donc c'est des symboles, c'est pas des formes du coup, mais ok.
Et du coup. Non, mais ils sont pas de contrôle. Oui, t'as aussi t'as des symboles. T'as une couronne, t'as plein. Sur ça, oui. Mais j'ai aussi autre chose. Oui, c'est ça que je fais là. Ok. Mais bon, je crois qu'on peut pas le faire maintenant. Bah, je crois. Il nous manque des infos. Mais non, c'est pas des infos. T'as la couronne qui doit être à côté de la couronne. T'as la fenêtre qui est à côté de la fenêtre. La potion à côté de la potion. Et le truc. Enfin, bref, c'est ça. Ils vont côté. Mais tu peux pas tous les bouger en fait. Pourquoi? Bah, parce que moi, la personne est brune, hein, qui est coincée. Ah, c'est toi qui bouge! Oh non, t'as l'autre partie de mon plateau. En fait, tu coinces les miens là actuellement. Attends, bouge pas. Attends, remonte. Non, remonte le truc que tu as. Remonte-le. Mets-le à gauche. Ok, arrête. Tu peux reprendre celui qui est en bas. Mets-le. Non, bouge pas. Arrête le tout, il est. Ok. Est-ce que tu veux prendre celui qui t'en a à droite normalement? Lui là. Ouais, mets-le à gauche. Tout à gauche et après en haut. Ok, reprends celui du bas. Ok. Ah, attends, quoique ça va être une galère. Reprends celui du dessus. Descends une fois, mets full à droite. Vas-y, encore une fois, stop. On va, peu importe. Celui qui est. La potion, va la mettre. En fait, le clown, prends tout en bas. Mets-le tout en haut. Voilà, reprends tout en. Attends, ça c'est. Ah non, on peut pas le mettre là. Attends, reprends celui du haut. Lequel est la potion, la couronne? La potion, descends-le. Ouais, descends-le, va à droite. Vas-y, bouge pas, je vais prendre le mien. Ah, j'ai compris. Okay. Vas-y. La potion. Remets-la en bas. Ouais, vas-y, mets-la en bas. Ton clown, là, enfin le truc tout à droite. Vas-y, mets-le tout à gauche, puis en bas. Ok, lui tu peux le dégager déjà. Voilà. Parfait, ton clown tu peux le remonter et à la droite. Voilà, ta potion. Non, mets-le encore à droite le clown. Parce que lui c'est bon, c'est lui qui voilà. Gère au final. Ouais, prends la potion. Qui est en bas. Remonte, mets-le à droite aussi. Ouais, j'ai compris ce que tu veux faire. Tu chopes la couronne, et puis tu redescends tout en bas à gauche. Et tu peux redécaler la potion à gauche. Bah non, du coup faut inverser. C'est pas les bonnes couronnes. Oui, les bonnes couronnes. Ah, j'avais pas fait gaffe que c'était des couronnes différentes. Ouais, il y a la couronne du roi et de la reine. Bah, prends la potion. En fait, faudrait à la limite dégager celle-ci et balancer l'autre. Prends la couronne, tu la mets à droite. Voilà. Toi, à l'inverse. Enfin, bouge du coup la couronne de la reine. Oui, c'est à moi de prendre la, j'avais oublié. Attends, Z. Ah. Pardon. On va avoir un problème quand même. Ouais. Si, remets-la. Si, remets-la en haut. Ouais, si. Ouais, mais. Non, il fallait que tu mettes. Non, remets la potion, remets-la en croix gauche. Voilà, t'en fous. Prends la couronne du bas maintenant. Remonte-la tout en haut. Là, tu dégages ça. Voilà, tu redescends de l'autre. On y arrive. Mais oui. Bien joué. Voilà. GTG. Bien joué. Ouais, donc là, on a remis le courant, en fait. Je dis ça, je dis rien. C'est mon chef. Oh, ça commence. Allez, c'est parti. Heureusement qu'il y a Flush. Non, en vrai, j'avais tout compris. Hein. C'est pas le problème, c'est que Flush, elle a lit le truc, quoi. En fait, non, ce que j'avais pas compris, moi, de base, c'est que t'avais l'autre partie de mon tableau. En fait. Ouais, j'avais pas compris. Pourquoi j'étais bloqué. Moi, tu sais quoi, j'ai compris après toi même. Parce que du coup, au moment où t'as dit bouger le truc, j'ai compris que je pouvais pas bouger les carrés. Je me suis dit, alors, ça allumait des lumières en haut chez moi. Et ces lumières ont mis en évidence quelque chose, un tapis. Et dans ce tapis, en fait, il y a. J'ai quatre côtés du tapis. Dans un tapis, okay. Dans le côté en haut à gauche, j'ai 5 points. Comme le pentagone. L'octogone, non, comme le pentagone. Et en fait, j'ai une flèche qui montre en bas à droite. Bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Ok. Bah vas-y, dis-moi, okay. Dis-moi ce que t'as besoin. Vas-y. Ok, bah du coup. Bah, tous les côtés. Ok, alors en haut à gauche, j'ai donc ce côté 5 points. Ouais. Du coup, la flèche, elle est en bas à droite. Et la flèche, elle vise, ouais, celle d'en bas à droite. Et du coup, t'as pas les autres côtés? À la droite de ce côté, à la droite du truc là. Jusqu'à là. J'ai 4 points qui font un losange et ça vise à droite.
Alors là, on va avoir un problème. Encore un Pentagone en fait, forêté. Il est plus en haut ou en bas ton truc là à droite? Totalement, il est à droite, hein, carrément à droite le truc. Ok, c'est comme ça pour l'instant. Tu parles de quoi? De là où ça cible ou... De là où ça cible, ouais, mais oui, bon, moi en fait, c'est ce que j'ai forcément 5 points, moi, donc il veut pas être 5? Tout à droite ou tout à gauche, tu vois. T'as forcément 5? Parce que moi, c'est vraiment pas... Moi, j'ai qu'il y en a que un qui a 5 points, le reste, c'est... On va essayer comme ça, vas-y, on va essayer. Ok, ça marche. Alors, en bas à gauche, j'ai donc 3 points. Et ça vise en bas à gauche. Vas-y. Et le dernier, là, donc, qui est à droite, c'est un... Comment on dit, fishgone? On s'en fiche. Le sixogone, on s'en branle. Juste dis où ça pointe. Oula. Titre. Et ça vise, du coup... Titre. Tout en haut. Ok, je vais essayer de faire celui-là en full random. Ça n'a pas marché, il a forcément une rampe. Ouais, pour moi, attends, j'ai aussi une piste que j'ai vue avant, je sais pas si ça peut t'aider. J'ai sur un livre avec une main Illuminati, et à droite, j'ai un manuscrit avec, on va dire une croix, entre guillemets, et dans chaque côté de la croix, il va avoir il y a des flèches qui montrent des directions. Genre, en haut à gauche, il y a une flèche qui montre le haut. Ah, c'est ça, tu vas faire ça plutôt. Ouais. Ah oui. Alors du coup, en haut à gauche, c'est la cible qui vit tout en haut. Ouais. À droite, en bas à droite. Ouais. En bas à gauche, ça vise en haut à droite. Ok. Et la dernière qui se trouve en bas à droite, ça vise en bas à droite. Ça n'a pas marché. Ah ouais? Attends, on peut refaire. Alors, je récapitule. Ça paraît, ouais, vas-y. En haut à gauche, c'est en haut. En haut à gauche, c'est en haut. À droite de ça, c'est ça pointe en bas à droite. Ok. Non, en bas à gauche. En bas à gauche. Non, ça vise en bas à gauche, la deuxième. Ok, ça n'a quand même pas marché. La troisième, ça pointe en haut à droite. Ouais. Et la quatrième, en bas à droite. Ok, donc on est d'accord que ça fait. Premier. Donc tout en haut à gauche, ça vise le haut. Ouais. En bas, non, juste à droite de ce truc-là, ça vise en bas à gauche. Oui. Celle qui se trouve en troisième, donc qui est en dessous, qui vise le haut, ça vise en haut à droite. Oui. Et le dernier, ça vise en bas à droite. Oui. Merde, ça marche pas ça. Ok. Est-ce que tu as, toi, donc, t'es d'accord que t'as aucune clé, t'as que la clé bleue que je t'envoyais au début? J'ai accès. C'est un gros mot, hein. Grand mot, accès. Je vois la clé rouge, cercle, et la clé, l'autre clé rouge. Mais les deux sont pas accessibles. T'as les deux clés que j'ai besoin, mais toi, ils sont pas accessibles encore. En fait, si tu veux, j'ai un énorme truc qu'il faut que je pousse, que j'arrive pas à pousser. À mon avis, mon perso est pas assez fort pour le pousser. Pour manger des protes. Le deuxième, bah, elle est enfermée dans ce gris. Je vais attendre un petit peu la feuille. Je me dis peut-être que je vais dans le mauvais sens. Peut-être qu'il y a un indice qui dit que c'est le mauvais sens. Toi, dis-moi la zone là où tu as mis les sens là. Elle ressemble à quoi? C'est un rectangle, c'est un carré, c'est. De quoi les sens? Un rectangle. Oui. Genre, c'est une zone qui ressemble à un tapis, par exemple. Ça ressemble à... C'est une machine. C'est quoi? Là où je mets mon code? Ouais, décris-moi où tu mets le code. Ben, je te dis, c'est un carré avec 4 serrures. Et c'est, je peux juste tourner et ça pointe des points. Une aiguille qui pointe des points. D'accord. Et donc, il y a des points, il y en a 5 autour. Haut, bas, droite, bas et... C'est un carré ou c'est un rectangle, déjà? Un carré, mais c'est... on s'en fiche du carré en fait. Clairement, on s'en fiche. C'est là dans quoi ils sont. Genre, en fait, ça fait un quadrillage où t'as les 4 serrures. Moi, c'est plus par rapport à la direction que ça m'intrigue. Est-ce que la feuille que j'ai, parce que moi, c'est une feuille qui est posée, tu vois. Est-ce que je te dis juste le mauvais truc parce que c'est peut-être la mauvaise. Genre, du mauvais sens, peut-être, tout simplement, tu vois. Ouais, mais y a pas d'indication chez moi, tu peux lire de tous les sens, ça changera rien. Enfin, je comprends ton problème, mais moi, j'ai pas d'indice qui te dit tu dois partir de ce sens-là, tu vois. Parce que chez moi, ce qui est intriguant, tu vois, c'est que t'as une main en fait à côté de cette feuille. Avec le logo Illuminati en plein milieu.
Et puis voilà, en fait, ça, j'ai pas grand chose de plus. Et ça me dit pas vraiment de sens non plus. Pour moi, ça, je te dis dans le bon sens parce que je l'ai eu en face, tu vois. Ok, alors maintenant, je vais te dire un autre truc que j'ai chez moi. Je sais pas si ça va jouer chez toi. J'ai ouvert, j'ai réussi à ouvrir. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai ouvert. Ok, bien joué. T'inquiète. À mon avis, non, mais j'ai tourné un truc, j'ai cliqué, ça a marché, donc je sais. Ouais, il avait manqué un sens, peut-être. Attends, toi, c'est la ronde qu'il te fallait ? Tu m'envoyais quelque chose, là ? Non, mais c'est la ronde qu'il te fallait ? C'est moi, Gaffa. Oh ? Tiens, bonsoir. Wouh ! Faut qu'on soit deux pour tirer la planche, en fait. Salut, Choumi ! Comment tu vas ? Hello ! Écho de l'autre côté, réfléchis. Let's go. Bah quoi ? Ah bah non, c'est trop tard du coup. Attends, j'arrive. Attends, tu fais quoi là ? Ouais. Bah parce qu'en fait, t'as été trop long, du coup l'animation s'est enlevée. Ah. Fatigué, hein, et vous ? Bah écoute, ça va très bien. T'es fatigué, tu travailles aujourd'hui ? Ah regarde, c'est ça que je lisais là. J'en ai, ah, j'en ai, là, j'en ai, c'est j'en ai ça, plusieurs. Ouais. J'en ai un, du coup. Ok, bah moi j'en ai... J'ai la clé. Comment on fait pour avoir l'inventaire ? Moi c'est molette, je tourne ma molette. Ah oui, molette, bien vu. Bah du coup, j'ai 2 et 5 de ces trucs là. Moi j'ai 1. Trop dur d'énigmes d'avant. En vrai, ça va, hein. C'est juste qu'en fait, il faut qu'on arrive à synchroniser en fait. À comprendre en fait le point de vue de l'autre. Pour l'instant, attends, ça va être ça. Echo, faut que je vienne avec toi ou pas ? Tiens, attends. Viens. Tiens, attends. Je sais pas. Attends. Tu veux retourner ? T'as besoin de retourner là-bas ou pas ? Je renvoie, hein. On aura des choses à faire là-bas de mon côté, c'est sûr. Mais, en fait, je peux pas venir, donc retourne là-bas. Je t'envoie la clé. Ok. Avec mon pote, ah, on a été très nuls. Bah après, en vrai, c'est pas si facile que ça, dans le sens où... en fait, pour moi, WiiWare Air, c'est un jeu qui demande énormément de communication. C'est-à-dire qu'il faut détailler beaucoup de choses. Et c'est ce qui rend le jeu marrant, c'est que du coup, on dit des dingueries des fois, on se comprend pas et on frôle l'engueulade. Non, bas, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bon, après, ça dépend, quoi. Mais... après, on clean direct, genre on s'engueule parce qu'on se comprend pas, on est frustré. Mais on sait pertinemment que c'est pas méchant, du coup on enchaîne. Mais ok, merci pour la clé. De toute façon, on s'engueule tout le temps, donc à partir oui, de là, voilà, c'est pas que ce jeu quoi. Franchement, même, rien qu'avant le stream, on s'engueulait, donc pour vous dire, tu vois. Pourtant, et maintenant, c'est pas pour autant qu'on est énervé. Voilà, attends, c'est quoi la clé que je m'ai filée déjà ? C'est une clé rouge, mais après, moi je peux pas l'utiliser donc ça doit être pour toi. What the fuck, la clé rouge par contre, je l'avais prise, ça me l'a enlevé des mains. Bah, elle est là. Ok, c'est bon, je l'ai. Mais en vrai, c'est beaucoup de com. Exactement, super, l'ambiance est bonne. Bah oui, non mais ça. Flashy, c'est la famille. On peut pas vraiment se saillir. On est là, on s'embrouille vraiment jamais. Enfin, pour de vrai, jamais. Pour de vrai, jamais. Pour de vraies choses. Non. Si jamais je pourrais te renvoyer le truc. Ok, ouais, c'est moi, je fais un drift, Wow. Ouais, y'en a qui ont de la chance. Hein. Si t'as besoin de ma pellicule, dis-le moi, je te la renverrai. Hein. C'est quoi ça ? Ah, j'aurai besoin de toi pour tirer après. Ouais, mais moi, je peux pas venir, hein. C'est le problème. T'inquiète, je vais voir ce que je peux faire. Alors, j'ai un. Eh non, je peux venir ! Wow ! T'as une clé jaune, toi, quelque part ? Oh, y'a une clé jaune, viens chez moi, on en aura besoin. Echo, attends, il faut que tu me renvoies. Tu vois, en bas là, ta nacelle, renvoie-la moi. Tu peux appuyer sur le bouton de Dame. Let's go. Du coup, Shumi, t'as... Oh, le chat, là. T'as réussi à finir le jeu ? Avec ton ami ? Attends, avant de rejoindre Manacelle, passe vers le seul truc qui manque, tu vois, il y a une clé jaune, et je sais pas comment la voir, on aura besoin de la clé jaune. Il y a une énigme... Oui, non mais oui, je viens de voir, là, l'énigme de... Avec les logos, là. Ouais, exact. T'as fini le jeu ? C'est stylé, Shumi, trop fort. Vous avez mis du temps à le faire ? Mais je comprends pas, on peut pas interagir. Bah, tu vois, c'est ça qui est assez frustrant chez moi. Ah, attends, je crois que j'ai compris. Je suis de l'autre côté, je suis là. L'autre côté. J'ai compris aussi. Écoute-moi bien, Flush. Tu te souviens d'habitude ces heures de trucs où on galère parce qu'on n'arrive pas à préciser les formes. Et là, on a le timing. Écoute-moi bien, Flush, on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord donner des noms aux boutons. Et après, on va enchaîner. Parce que moi, de mon côté, il va falloir que j'appuie sur les boutons vite. Ok ? Ok. Attends, deux secondes, j'ai envie de voir un truc là. Attends. Ouais, sa mère. Jamais les mêmes. Ok, de mon côté, écoute-moi bien.
En gros, j'ai donc les, j'ai 6 boutons avec les coquillages différents. Et au-dessus, j'ai un coquillage qui change à chaque fois. À chaque fois que ça reset. Ok. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire de l'info pour l'instant. Est-ce que tu veux qu'on swap peut-être? Pour l'instant, on peut essayer des trucs, mais attends. Je comprends pas, tu dois cliquer et je dois te dire quoi moi? Je dois te dire des formes. Là, pour l'instant, dire... attends, il te reste combien? Et toi, t'as combien de. Il y a combien de formes? T'en as 5, on est d'accord? Ouais. Bah, moi, j'ai 6 formes, plus. Oui, mais après, toi, on s'en fout, c'est faut juste que tu retrouves les 5 miennes. Ok, c'est quoi? On va essayer de faire ça alors. Alors, il y a. En gros, si tu veux. Si tu veux, moi j'ai les 5 formes d'afficher. Je peux rien interagir. Donc en fait, à chaque fois, le code reset après un certain temps. Juste que je te donne mon code et que toi tu appuies pour mettre mon code. C'est bien que ces jeux, ils sont durs, mais pas impossibles. En deux après-midi, je pense. Ah ouais. Ouais, le pire moment possible. Tu te trompes, ton PC explose. T'as compris quoi ou pas ? Ouais. Je pense avoir compris. Alors, on du va... coup, on va dire que... On va déjà les nommer. De toute façon, il y a boule de cristal, c'est sûr. Boule de cristal, 100%. Bisous, en vrai. Ça ressemble un peu à un bisou, genre un peu bizarre, un peu dégueu. Mais bisous. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, là, on a compris. Caca. Il y a la corne. Il y a une corne de licorne. Corne de licorne, ok. Corne de licorne, je vois très bien. La feuille. Et caca, je vois pas du tout de quoi tu me parles. Hein. Bah, il y en a un, genre, on dirait un truc un peu écrasé, un peu tout dégueu, genre. C'est pas plutôt la... une coquille d'escargot, ça, on croirait? Non, ça, c'est la monite. Bon, on l'appelle Fierco. Ah ouais, t'as des symboles que je sais pas. Ah oui, je crois que je vois ce que tu veux dire, Kaka. C'est bon, je l'ai vu. Ok. Et après, il y a Coquille Saint-Jacques aussi, genre une grande coquille. Où ça, Coquille Saint-Jacques? Bah, genre une grande coquille. Mais après, elle apparaît pas tout le temps. Bon, on c'est essaie quoi, de prochain la Coquille Saint-Jacques, je l'ai pas, hein. On fait quoi? Bah, c'est pas grave. Vas-y, après, go. On essaie de. Attends, on va prendre un peu plus. Bon. On fait de gauche à droite, du coup? De ma gauche jusqu'à ma droite? Bah ouais, je pense que tu feras gauche à droite parce que moi j'ai pas de sens. Ouais, bah si, fais gauche à droite, je pense que c'est peut-être le sens au final. Ok, parti. Boule de cristal, ouais. Escargot, licorne, bisous, caca. Licorne, bisous, caca. Ouais, ce que j'ai fait. Donc, on recommence déjà. Si ça a marché, faut le faire 4 fois! Merde. Escargot, caca, bisous, licorne. Escargot, caca, bisous, licorne. Bisous, licorne. Et un truc sucette, genre. Avec feuille, une feuille. Ouh, ok. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ah. Caca, escargot. Attends, on recommence. Une paire de bouses. Okay. C'est nos descriptions. Ok, on se réchauffe, on se concentre. Alors, feuille, bisous, licorne. Caca, escargot. Feuille, bisous, licorne, caca, escargot. Caca, escargot. Ok. Prends le temps, hein. Je pense qu'on a le temps en vrai. Boule de cristal, feuille, ouais. Bisous, caca, escargot. Feuille, bisous, caca et escargot. Ok. J'ai pas l'impression que ça marche. Feuille, bisous, licorne. Boule de cristal. Feuille, bisous, licorne. Quoi? Boule de cristal, escargot. Ok. J'ai pas l'impression que ça marche, quoi. Hein. Je me pose une question, moi. Boule de cristal. Hop. Tu veux pas qu'on swap, au pire? Maintenant que je connais tous les symboles et toi tu connais tous les si symboles. Si tu veux, mais tu vas voir. Ok, vas-y, on va swapper. Mais tu vas comprendre que moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est la forme qui change de mon côté à chaque fois, tu vois. Ok. Attends, je vais essayer de venir. Vas-y, viens, toi viens et après je pars. Vas-y. Ce qui est bien avec ce We Were Here, c'est qu'on va, on peut changer en fait. Attends, mais attends que t'es là, on va peut-être pouvoir tirer aussi le truc là. Tant que t'es là. Ouais, vas-y, viens. On va le faire, peut-être que ça nous ouvrir un truc qu'on n'avait pas l'info. Merde, faut tenir. Mais pareil, j'ai cliqué, je me suis barré. Ouais. Et Chumi, t'en as pensé quoi du jeu? On tourne jusqu'où par contre, c'est la question là. Et on tourne. Là on a fait un tour. Et on pousse quoi là exactement d'ailleurs? C'est la question aussi. Je pense qu'on doit monter ou descendre un truc. Attends, lâche. On doit monter un truc qui est dans le sol là, je pense. Faut qu'on continue quoi. Tu penses? On continue encore une fois. Vas-y. Ouais. Hein. Alors. Dans les autres, pas... Oui, un gros avantage.
Dans les autres, par un habile procédé, toujours l'impression d'avoir la partie la plus chiante. Le meilleur de la saga pour moi, qui est déjà très bonne pour moi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Flash et moi, on avait toujours ce côté aussi où on n'était pas à nos postes. Genre, moi je suis c'est meilleur dans l'action, Flash est meilleur dans l'explication. On change de côté parce que on tombe dans le mauvais sens. Ah ouais. Et donc c'est un peu galère. Mais là, dans ce côté-là où on va pouvoir varier nos trucs, on est au top. Hein. Attends, je vais vérifier si ça marche. Non, ça marche pas. Bon, Hugo, reste les écouteurs. Après. Ça. Ouais, vas-y. Attends, t'étais monté par où, toi? Gauche. Enfin, gauche. Ok, attends, je suis en train de regarder. T'as une forme, d'accord, qui s'affiche là. Ok, je suis devant la machine. Ouais, tu vois ce que je veux dire avec la forme, ça m'intrigue. Et je me pose une question. Faut pas commencer par ça, peut-être? C'est pas genre... Ah, je crois que j'ai compris. Genre en mode, tu vois, par exemple, si ça commence par escargot, il faut commencer par l'escargot, le code, peut-être, je sais pas. Peut-être. Si le code, il est genre, à droite... Parce qu'au final, la seule fois où on a échoué, je pense, c'est presque la seule fois où on a réussi, peut-être. Et je pense que c'était aléatoire. Non mais tu vois par exemple, je sais quoi, pas. Dis-moi, c'est quoi, dis-moi faire... les deux prochains, dis-moi c'est quoi et je te dis si je les ai ou pas. Dis-moi si ça commence. Là j'ai coquille Saint-Jacques genre. Moi je te tombe à droite. J'ai pas la coquille Saint-Jacques. Oh mais est-ce qu'il faut mais pas si, que je remplace? Mais si c'est ça, c'est le sens. Non, c'est pas ça. Écho, tu vois, ça te dit par où commencer en fait. Et là c'est quoi? Boule de cristal. Mais si je commence par là, ça veut dire qu'il faut que je fasse droite-gauche comme... Ah, et que je reviens en... Okay, ouais, c'est ça le problème. On va essayer. Ok. Ok. Licorne. Feuille. Licorne. Boule de cristal. Bisou. Caca. Ok. C'est allumé ou pas? Non. Non, c'est pas ça alors. J'espère que c'est allumé, hein. Et ton truc, il y a alors, pour se lever comment... bien bonjour. Salut bébé Al. T'as dit quoi, Flush? J'ai dit, techniquement, dans l'ordre, Turitel, troc, jujube, porcelaine, truc machin, coquille Saint-Jacques. Allez. Turitel, truc machin, gentil, coquille Saint-Jacques. Non, mais en vrai de vrai, je comprends pas pourquoi il y a ce symbole en haut. Peut-être qu'il faut commencer par ça et finir par ça, non? C'est-à-dire? Non, j'en sais rien. En fait, c'est juste bizarre parce que... Par exemple, coquille Saint-Jacques, je l'ai pas dans les boutons poussoirs, donc ça peut même pas être... Non, il apparaît jamais la coquille Saint-Jacques dans les poussoirs. Ouais, je sais. Mais le truc, c'est que toi, t'as des trucs qui... Il y a des flèches, en fait, sur le bas de ton truc. Exactement, donc ça doit avoir un lien. Viens, on réessaye au pire ta théorie, peut-être qu'on s'est foiré, peut-être sans vouloir. Non, je sais pas, foiré. Vas-y, on peut essayer. Mais on peut réessayer. Coquille Saint-Jacques. Feuille. Caca. Boule de cristal. Licorne. Bisous. Non, ça va marcher. Ouais, c'est bizarre, hein. Attends, je regarde s'il y a pas un autre truc qu'on peut faire. Moi, il y a un truc qui me fait un peu peur. Est-ce qu'on se trompe pas? Genre, quand je te dis feuille, pour toi, c'est quoi? Bah, c'est le genre de. C'est comme licorne, mais avec un bâton en bas. Ouais, qui va à gauche. Ok, c'est bon, c'est pas. C'est bien. Qui va. Oh non, qui va à droite. Ouais, qui pointe à gauche. De toute façon, pas... Non, qui pointe à gauche. De toute façon, c'est le seul. La feuille, c'est le seul qui est pas utile, qui est pas nommé. Donc, on va pas se tromper. Ouais. Tout le reste, c'est nommé. Ok. Qu'est-ce que ça peut être le lien avec ces images là? Donc là c'est quoi par exemple? Licorne. Ok, licorne. Est-ce que ce serait pas... ouais bah non, parce que du coup on l'aurait fait. Le fait que ça marche, faut le faire en premier. Peut-être qu'il faut le faire en dernier. Mais non, parce que quand c'est coquille Saint-Jacques, tu peux pas le faire, tu peux pas le cliquer. Bah oui, il faut le faire en dernier. Genre, je le dis en dernier, la coquille Saint-Jacques, elle vise la monite, par exemple, enfin l'escargot. Peut-être qu'il faut que je le dise en dernier, tu vois. On l'a réussi une fois, ça veut dire qu'on l'a réussi aléatoirement. Ça veut dire qu'il y a un moment que ça coïncidait ce qu'on a fait, tu vois. On peut essayer en dernier, attends.
Coquille Saint-Jacques. Ok, alors du coup, licorne, caca, bisou, feuille. Je peux pas cliquer. Attends, on va recommencer. Ouais, vas-y, vas-y. Je sais pas, c'est prêt. Escargot. Ok, licorne, feuille, escargot, caca, boule de cristal. T'as appuyé deux fois, non? Ça a marché, ça a marché. Vas-y, vas-y, continue. Bisous. Caca, bisous, sucette, boule de cristal, escargot. Giga forte. Continue, continue, continue. Licorne. Licorne, bisous, boule de cristal, escargot, caca. Ok, encore une. Escargot. Licorne, feuille, caca, escargot, boule de cristal. Oh, flush, beaucoup d'amour pour toi. Gros, tu me donnais les trucs à la moitié du timer, j'ai envie de. Ouais, non, mais ça allait vite, non, mais ça allait vite, ça allait très vite là, en fait, à la fin. Ça accélérait, je sais pas si t'as vu. Ouais, vite fait, non, j'ai pas, pas trop regardé le timer. Je t'assurais que ça accélérait, c'est pour ça que je. À un moment, je me concentrais pour t'enchaîner tout d'un coup. Vas-y, je t'en prie. Allez, ramène-toi. Ça me fait plaisir j'ai de voir les gens galérer sur cette énigme. Surtout que genre... ça, on a pas trop galéré, hein. C'est ça le truc, en fait on a pas galéré mais on a quand même dû réfléchir à comment ça fonctionne en fait. Et tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'en changeant de côté, on a pu trouver entre guillemets une solution. On n'aurait pas changé de côté, je crois qu'on en serait. Je pense qu'on aurait peut-être trouvé un peu plus long, on aurait mis un peu plus de temps ou je sais pas, tu vois. Un peu plus longtemps, ouais. En fait, si j'aurais pas vu le truc, je pense que j'aurais pas pu. Comment on fait pour te rejoindre? Faut aller là-haut. Mais Alors j'ai gagné, dedans il y avait la clé. Merci pour le jeu. Et le truc numéro 4. La pellicule numéro. Mais je crois que t'as acheté à cliquer sur l'icône indiquée par le symbole pour te donner. Ben, je pense pas parce que justement avec Flush on a essayé plusieurs fois de façon différente et ça a pas marché. À moins qu'on s'est gouré et que là bah ça marchait par coïncidence, mais. On verra bien. Ouais, je sais pas, ça a marché. Ouais, en tout cas, ça marche. Que ce soit en premier ou en dernier, ça marche. Ouais, voilà, ça a marché essentiel. Ok, faut mettre ça là-dedans, mec. Nos trucs là. Je crois qu'il nous en manque une ou deux. Hein. Non, on les a tous. Hein. Tu crois? Je pense. On peut pas le tourner. Mets les tiennes parce que. Et t'as pas 2 et 3? J'ai que 2, attends. Ah, mets 2. Ah. J'en ai plus. Hein. Moi j'en ai 2. Bah, ton 3, il est. Attends, ton 3, tu l'as mis dans le 1. Hop, c'est bon. Ah merde! Ok, lumière, ah, feu. Attends. Film, la télé. Quoi, un rouage en or? What the fuck? Le bleu, le bouton bleu. Mettre une clé, bien. Il nous faut un tuto là. Je te jure qu'il faut un tuto. Merci pour le lurk. Merci pour l'orque, choum. Bisous. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Je suis violette. J'ai rien compris, frère. Je vais être honnête avec toi. Il faudra appuyer sur le levier rouge quand on aura la fumée violette. Ouais, ça j'ai compris. C'est quoi ça? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un truc qui... Le motif à vapeur? Ouais. Pour faire descendre le truc, il faut appuyer sur un levier. Je sais pas si t'as fait gaffe. Mais le bord change de couleur à chaque fois, quasiment. Regardez là, il y a le truc, il est là. Le rouge, il est mis un malin. Ah ouais, mais il est pas jaune. Ah, c'est là qu'il faut tirer là. Regarde. Tenir. Non, mais attends, il y a plein de trucs à tirer. En fait, il y a un ordre, ils nous l'ont donné l'ordre. Oui, bien sûr. Mais attends, parce que moi j'ai un rouage, je pense qu'il faut que je le place quelque part le rouage. Il y a ça aussi qu'on a vu au début. Quoi? Ok. Levier. Donc ça, il y aura un sens et il y a un truc à faire. Là, il y a un levier rouge là aussi. Ce qu'on va faire, ouais, ouais, mais y c'est en qu'on a va... Partout. On va... Regarde, là, il y a tous tes codes. 1, 2, 3. Ah ouais, ok. Tu vois, là, l'écran, il est violet maintenant autour.
Ça m'intrigue par contre. Wow, une roue. La belle roue. Attends, faut partir déjà du début. Attends, le début, c'est quoi? Pour le faire devenir rouge, bah, il faut le début, appuyer sur il le faut... levier. Ouais. Bleu. Là, je fais bien. Ah, faut que t'appuies sur le levier au bout. Tiens, au levier au bout? Non. Non, je suis... Attends, écoute, tiens le levier. Attends, va au levier bleu. Ok. Appuie-le. Mais quand il a appuyé. Il a appuyé normalement. Là j'ai appuyé sur le truc mais ça me donne rien. Mais je pense pas qu'on aura de truc qui va confirmer en fait. Hein. Je pense qu'il faut tout faire et ça marche à la fin, chaleur. Hein. Mais non parce que déjà le truc il est censé devenir jaune. Ouais, mais ça c'est la première partie, ça y a rien du tout ça. Tu vois. Ça qui m'intrigue c'est qu'il y a rien. Tu vois quand tu vas dans 1. Quand tu vas dans 1. Ça devient jaune d'un coup. Avant quoi que ce soit, ça devient jaune. Mais j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est mal placé comparé à l'image. Ah, quoique. Non, peut-être pas. Y'a pas un truc pour l'allumer derrière, peut-être, je sais pas. Mais en fait, le problème, c'est l'histoire de la clé. Là, il nous manque le problème de la clé. Il faut tourner une clé, mais quelle clé? Bah... Allez, là! Vas-y, appuie sur ton levier! Attends, c'est bon? Non, il est pas jaune là. Attends! Non, vas-y, appuie sur ton levier bleu! Je l'ai fait là. Là, je l'ai fait. Mais il est revenu en arrière direct. Hein. Refais-le pour voir. Ok, je l'ai fait. Attends. Mais ça me... T'inquiète, c'est le... Ils disent qu'en premier, il faut d'abord faire la poignée. Hein. C'est quoi, c'est poignée, levier, clé? Attends. On va voir, c'est poignée, levier bleu, clé. Bah vas-y. Ok. Ah merde, putain j'étais là. Poignée, levier... Clé. Si ça marche pas, je vais essayer un autre truc parce que en fait le levier il est bizarre. Genre des fois il s'active entièrement et des fois pas du tout. Dans l'image il s'active entièrement ou pas? Ouais dans l'image il s'active entièrement. J'ai l'impression qu'il faut être à 3 pour le faire. Ouais. En vrai ça marche pas. En vrai ça marche parce que il faut. Viens on refait et après on passe directement au bouton. Ok. Attends je remets à 1. Vas-y. Non, je t'en fiche. Vas-y, dis-moi. Vas-y. Dis-moi quand j'appuie. Fais ton levier. Fais ton levier. Attends, je recommence qu'il s'est pas activé entièrement justement. Voilà. Ok là il s'est activé entièrement. Non. Tu l'as fait, c'était trop tard. Bah j'ai ouais mais je peux pas plutôt. Faire plus vite, vraiment enfin, là c'est... Vas-y, refais. Attends. Ok. Ok. La fumée violette fait la... Voilà, et du coup faire quoi la fumée violette? Attends, faut le dire là. Le jeu rouge. Rouge. Et après, dis-moi ce qu'il faut faire après, hein.
Après, il faudra... Tu me dis quand tu as fini ? Vas-y, vas-y. Attends, je peux finir encore toi. C'est bon, c'est bon. C'était quoi les bons ? Il fallait faire la roue là, il disait. A priori non. Attends. Pas marché. Attends, attends. Alors. La clé ? C'est quoi cette clé là ? J'ai fait la clé, non, j'ai fait, clé, j'ai fait déjà. Non, c'est moi qui l'a fait à chaque fois la clé. Laisse-moi. Moi, il l'a fait. Là, on avait passé ça déjà. Ça, on l'avait passé. Ça, tu l'as fait. Ça aussi. Après, il y a la fumée violette. Et après, on a fait. Après, la fumée violette. Après, il y a le levier rouge. Après, il y a le levier rouge, normalement. Et après, il y a la. Merde. Ça fait quoi ? Après, il y a ça, ça, je l'ai après, fait. Faut... C'est quoi ça ? Ah, mais c'est derrière, regarde. Après, faut que tu... une fois que tu l'as fait, faut venir là. Mirou. Enfin, pendant que tu le fais, je pense, faut aller là. Là, derrière, c'est derrière. Il y a ce truc là à la fin. Ok, donc on recommence et on peut ça à la fin. Ouais, vas-y. Donc. Attends. Vas-y, tu me dis le levier bleu. Levier. Ok. C'est bon. Levier rouge. Mais. Levier rouge, vas-y, hein. Fais-le. Vas-y, vas-y, levier rouge. Je te dis quand il est allumé, attends. C'est bon. Va derrière, va derrière, va derrière, va derrière. C'est trop... Enfin, tu dois aller direct derrière. Ouais, je pense. Oh, ça va me casser les couilles. Vite, le smurf, ce bordel, parce que vraiment, ça va me saouler. En plus, il est hyper long, lui, à tenir. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire ouais, pour s'évader maintenant ? Faut que tu barres direct. Ouais, faut aller vite, franchement. Ah ouais, je sais pas, il faut le tenir ou il faut juste le cliquer, le truc, là, qui... Non, faut les tenir, non, faut tenir jusqu'au bout, à chaque fois. Hein. Faut tenir jusqu'à chaque fois. Finalement. Bah, non, c'est qu'il faut le faire jusqu'au bout, genre, c'est comme les leviers, tu vois. Les leviers, ça il faut attendre que ça s'allume pour que ça soit bon, tu vois. Non, mais je parle pas de ton truc, je parle du truc qui bloque la roue. Bah, je pense, je vois pas pourquoi faudrait le faire qu'à moitié, quoi. Bah non, mais parce que regarde, tu le vois sur la slide, le machin, il est en train de tourner et il met des à-coups, il tient pas le truc jusqu'au bout. Non, je pense qu'il faut le faire entier. Hein. Regarde en haut. Je sais pas, bref, on va réessayer en entier. Vas-y. Vas-y. T'es prêt ? Ouais. Vas-y. Ok. Vas-y, levier rouge. Et après, cours direct, hein, dès que t'as fini. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on aille plus vite. Ça sent que c'est pas bon, là. Mais on peut pas aller plus vite. Si. En fait, je pense savoir comprendre. En gros... les leviers, je pense que le levier rouge par exemple, faut que j'active plus tôt. Parce qu'il met beaucoup de temps à s'activer le levier rouge. Ça met facilement 5-6 secondes à s'activer, tu vois. Donc ouais. Je pense que limite, pendant que je fasse son truc, faut que j'active, cache le truc rouge et que toi que t'ailles au plus vite possible. Et qu'après que je vais cache derrière, tu vois. Parce que dès que c'est éteint, c'est fini. Par exemple, on peut essayer. Hein. C'est pas comme les voitures à manivelle. Ouais. Tu me dis pour le levier. Vas-y. Ouais, tu vois, j'active, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pour le bleu. Pour l'ensemble, c'est quoi la limite ? J'ai le temps d'activer le rouge, je suis sûr. Enfin, de le faire. Là. Vas-y. Ah bah non, je vais plus le faire. Ok, j'ai compris. Des fois, tu sais, je te disais que je pouvais pas l'activer. C'est qu'en fait, faut que j'attende que ce soit fini pour toi, pour le lancer. Ah oui ? Donc, faut qu'on aille beaucoup plus vite. Vas-y, t'es prêt pour le bleu là ? Attends que le rouge il s'enlève. C'est bon, je suis prêt. Vas-y. Ok. Rouge.
Non, j'ai bien trouvé la solution du coup. Attends. Non mais c'est bon, c'est sûr. Ça a marché, non? Non. Bah là on a tout fait correctement. Au moins c'est pas éteint en plein milieu. Non mais en fait c'est parce que il faut pas le laisser appuyer. Tu penses? Le truc là-bas. Non, je l'ai appuyé, je l'ai pris, j'ai tenu. Il a touché le truc, ça a fait l'étincelle, je l'ai lâché, et toi t'as eu le temps d'aller courir là-bas et de le cliquer. Bah écoute, on essaye, hein. Vas-y. Je peux faire le bleu. Tu me dis. Vas-y. C'est bon. Ça a marché? Ça s'arrête quand le levier... Non mais là, regardez en fait, quand le levier rouge a été fini, ouais. Le basque, tu sais quand il revient à sa place, ça coupe la machine. Ou alors limite, t'as peut-être le temps d'activer le levier rouge, de venir ici, de faire le coup du truc, et moi que j'aille déjà finir là-bas peut-être. Donc moi, donc l'idée c'est qu'on en fait on inverse la dernière chose. C'est-à-dire en gros, tu fais ton levier rouge. Attends, je vais rajouter l'image vite fait. Non mais regarde, okay. Dès que tu finis ton levier rouge, je vais cacher ici. Tu viens ici, en fait tu le tiens. Dès que ça touche, tu peux relâcher, hein, ça c'est suffisant. Ça marche. Ok, on recommence, c'est pour l'inverse. Moi je suis là-bas. Donc je fais le levier rouge et après je vais activer ce truc là. Vas-y. Oui, tu peux faire le levier rouge. J'active. Tu me dis quand t'as cliqué par contre, hein, le truc à côté. C'est activé. Okay. Oh, j'ai tout foiré moi-même, je pense. Ah merde. Attends, je sais pas, à voir. Non. C'est joué un peu, je pense. Oui. Non. En fait, j'ai lâché l'animation, elle est trop chiante à partir de l'animation là-bas. Elle est horrible. Hein. Après, okay. Tu peux essayer de laisser la roue dessus si on fait ça comme ça. On peut essayer aussi. Bon, ça, je laisse maintenir, tu veux dire? Ouais, tu laisses maintenir pendant que moi j'appuie, okay, on verra ça bien. Marche. T'es sûr qu'il faut pas aller laisser la roue? Ouais, je pense. Ok. Vas-y, rouge. Ok, tu as l'essayé déjà. C'est bon. Moi j'ai plus d'idée là. Elle tourne même pas la grande roue. C'est vrai qu'elle tourne pas la grande roue, hein. C'est pour ça aussi, hein. J'ai l'impression. On peut pas la faire tourner, les étapes d'avant elles marchent. On sait, elle marche. Mais non, mais les étapes d'avant, on entend les glings, c'est bon, ça marche. Oui, marche, mais la fumée, elle sort. Mais à la grande roue, c'est vrai qu'elle tourne. On ne peut pas la faire bouger en fait. Genre, c'est impossible. On n'a aucune étape qui nous permet de faire bouger la roue. Attends. Après, il y a ce levier là, on l'a jamais fait, hein. Attends. J'ai dû voir l'image entièrement. Non, c'est vrai qu'il faut qu'on la bouge. Hein. De toute façon, il faut qu'on la bouge cette roue. Ça. C'est pas ça. Je sais pas de quelle façon, mais normalement, la roue est censée tourner. Attends, refais le levier rouge là. Ok, j'allume.
Elle s'active bientôt. Elle s'est activée. Parce que ce levier là, on l'utilise jamais, hein. Le levier rouge là. Lui là ? Bah oui, on l'utilise pas. À quoi il sert ? C'est-à-dire, c'est ce que c'est ce levier plus l'autre, c'est écrit. C'est écrit où ? Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Et wesh. Faut laisser les images. Il y a toujours un deuxième passage. Oh. Là, il y a rien qui indique quoi faire. Ah, d'accord. Il faut Attends, non. Il y a pas le levier, on l'a pas vu. Quoi, non, on l'a pas vu, mais peut-être qu'il faut activer les deux là en même temps, je sais pas. Attends. Là, parce que là, pour l'instant, je vois pas où est-ce qu'il y a écrit le levier de la machine. Hein, pour l'instant, vraiment, qu'une fois on l'a vu. Ça, c'est la clé, c'est pas un levier. C'est la clé, c'est pas le levier. Ça, c'est le chiffre. Là. Il est là le levier. C'est le rouge, le levier rouge en fait. Mais du coup c'est juste après quoi ? C'est en même temps que tu fais le levier rouge, je fais l'autre levier ? Ouais. En fait, tout à l'heure, okay. Genre au moment où j'étais au levier rouge, toi t'attendais ici en fait à chaque fois. Et, ah, ça, ouais. Et ça me semblait étrange, je me dis c'est bizarre qu'il nous laisse de la, du temps. Vas-y, vois. Vas-y. Okay. Vas-y, fais le levier bleu. Je lance. C'est bon. Vas-y, fais le levier rouge. On a activé. Rappelle, fais la roue à côté de toi. Hein. Ouais. T'as activé. Vas-y, je fais la roue. Alors on recommence, on verra bien si c'est fait ça. Après, j'ai fait la roue. T'as laissé appuyer ou. Mais je me demande si j'ai pas fait la roue. Ouais, t'as fait la roue trop tôt. Normalement, faut attendre qu'elle elle tourne la roue logiquement. Mais elle tourne pas la roue aussi. Viens, fais une expérience vite fait. Active après, non, faut tout allumer. Non, ça marche pas tout à l'heure. Non, refais jusqu'au. Attends-moi pour le levier rouge cette fois-ci. D'accord, okay, ça marche. Mais attends-moi pour le levier rouge. Ok. Allez, fais le bleu. C'est bon. Attends, j'arrive, vas-y, 3, 2... Mais tu m'as pas du tout attendu, hein. Ouais, mais moi, il est très long à faire comparé au tien. Mais moi aussi, il est archi long. Genre, moi, ça active que... maintenant. Là. Voilà, pareil. Vas-y, fais ton truc. Ça tourne. Vas-y, fais ton truc. Je le fais. C'est bon, je le fais. Je dois faire quoi ? Je sais pas, moi, je tiens aussi. C'est jaune. Bon. Oh sa mère, ça a pris 40 ans. Bien joué, Josh. Et donc maintenant j'ai même pas bien joué, ça m'énerve ce truc, il m'énerve, c'est à chier. C'est beau, c'est joli ce qu'on a fait, c'est joli. Alors maintenant, non, qu'est-ce qu'on va faire ? Je déteste cette énigme, mais elle sert à rien. Non, je trouve cool moi. En vrai. Ah, ça nous a donné quoi là ? Alors quoi ça nous a servi par contre ? Ah, oh, ça s'est enlevé en plus. Oh, s'il faut recommencer à chaque fois, par contre, nique hein. Attends, non, mais c'est déjà qu'il nous manquait une étape, il nous manquait la dernière étape. Comme une vieille voiture. On l'a arrêté jusqu'au bout. Attends, il devait nous manquer un truc, sinon on aurait fini. T'avais déjà fait la serrure dans cette étape-là ? C'est vrai, dans cette étape-là, de quelle serrure ? Bah, la clé. Pardon. La clé, tu l'as fait, c'est obligé, c'est bon. Puis mes violettes, on l'a eu, c'est bon. Machin rouge, on l'a activé. C'est ce qui a fait tourner la roue. Une fois que la roue est allumée, on a activé donc les deux trucs. C'est ce qui a fait que ça s'est devenu jaune. Et ça devient jaune. D'accord. Mais encore. Faut pas que tu le prennes. J'ai essayé, j'ai pas réussi en tout cas. Faut peut-être refaire la fin de...
C'est genre, une fois que c'est jaune, on refait levier, levier bleu et clé, peut-être. On peut essayer, hein. Le levier que t'as vu tout à l'heure. Quoi, le levier que t'as vu? Quel levier, Bebel? Non, le levier qu'on avait vu tout à l'heure, on l'a utilisé, finalement. Ah, le levier, oui, de base. Ouais, c'est ce qui permet de faire tourner la roue. Non, mais au pire, on va essayer de refaire les trois premières étapes à la fin, on verra bien. Faut comprendre qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert ce qu'on fait déjà, ce serait déjà trop bien, mais. Et parce que, à la fin, et quand le truc il est jaune, ils refont remontrer. Donc je sais pas si c'est là pour recommencer, mais on peut essayer, on s'en fout. Bah vas-y, ok. Donc vas-y. Tu me dis pour le bleu. J'ai tiré. Vas-y, vas-y. Oh, merde, c'est fini, non. Levier bleu activé. Vas-y, j'arrive. Ok, j'ai commencé à lancer. Rouge. Roue activée. Je suis en train de faire le truc derrière. Ça s'est activé aussi. Vas-y, j'ai refait le levier. C'était ton levier bleu? Ouais. Levier bio activé. Maintenant. Bien joué. Voilà, fallait refaire une fois. Levier flash, magnifique. Allez, bon, moi. Bien joué. On y arrive, Flash, on est bon, on est trop bon. Je trouve qu'on a progressé, j'ai envie de te dire, en termes de com. C'est parce qu'on est dans la même pièce. La meuf, je lui fais un compliment. T'as cliqué sur le levier. Mais somatique, cette énigme, je trouve. Elle ah ouais, moi j'ai trouvé assez satisfaisante. Oh non. T'as encore la clé verte sur toi? Oui. Ouais. L'angoisse, quoi? Quelle clé? T'as vu, il y a un truc de rotation là, comme t'es ton jeu. Ah. Bah, c'était ça. Tout à l'heure. Genre là, tu peux pas prendre le bras et là. Sache un truc, hein. Que ça se déverrouille pas quand t'as gagné, hein. Faut que tu cliques à chaque fois, hein. Pour savoir si ça s'est ouvert. Oui. Mais t'es sûr que c'est pas là-bas? Il faut pas refaire un truc comme là-bas? Le machin en bas à gauche, en bas à droite et tout, peut-être. Je sais pas, mais je sais pas. Attends, j'essaie de me souvenir. Premier, c'était en haut. Non, je me souviens pas. Après, c'était en bas ah, à si, droite. Ah si, après, je me souviens. En bas à gauche, non? En bas à droite, je sais pas. Là c'était en haut à droite. Ah, ah non, c'est autre chose, c'est indifférent. Là, c'est... Pardon. Non, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Alors, retourne là-bas, okay, retourne là-bas. Je peux au moins? Bah oui, je peux. Je trouve que c'est long en fait. C'est sûr que j'ai vraiment la flemme peut-être. Ah, c'est chiant, mais bon. Faut bien qu'on y arrive de toute façon. Ouais, je suis d'accord. Et puis même, on l'a pas utilisé, c'est pas là pour rien. Oui, ouais, hier, ils font. C'est rare qu'ils mettent des trucs pour rien. Mhm. Ouais. Ok, alors. Non, mais là, ça commence trop bien en plus avec l'autre, je crois. Ok, en haut à gauche, essaye, en bas à droite. Alors, lequel? En haut à gauche, essaye, en bas à droite. En haut à gauche. Ok, en bas à droite. Okay. Celui qui est à sa droite va aussi à droite. Ok. Celui qui est en bas à gauche, il va en bas à gauche. Ok. Celui qui est tout en bas à droite va tout en haut. Non. Rappelle-moi juste à quoi ressemblent les logos, s'il te plaît. Bah, genre... le premier en haut à gauche, il a 5 points. Ok. Celui à sa droite, il a 3 points. Ok, non, c'est déjà faux, c'est pour ça. Ah, peut-être qu'il faut qu'on. Est-ce qu'il y en a un qui en a 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le premier. Viens, on va essayer de faire ça au pire. Au lieu de faire des trucs, ben des directions, on va essayer de prendre par rapport au point. Donc, celui qui a 5 points, il va en bas à droite. Bisous, Bébel. Merci, oh, merci. Ok. Celui qui a 4 points, il faut viser à droite. Ok. Celui qui en a 3, il faut viser en bas à gauche. Ok. Et celui qui en a 6, il faut viser en haut. C'est bon. Let's go. Ah, par contre, j'ai une clé.
La clé. Ah si, je sais où elle va, la clé triron. Faut que je te rejoigne, reste là-bas. La tribu. Ah non, faut que tu viennes me remonter l'élévateur. Ah non, ouais, je peux te l'envoyer. Merde. Tiens. Non, non je... bah si. Bon, viens me chercher en fait. Bon. Attends, c'est bon, je fais demi-tour. Ah, j'ai réussi à faire demi-tour. J'arrive. Vas-y, viens. T'es en haut, toi, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Je suis paumé, là. Attends, je suis archi paumé. En fait, je suis jamais venu chez toi, du coup, j'arrive à un endroit où je connais pas. Comment t'as fait pour monter là-haut, toi? Pour monter? Mais c'est de l'énigme où on était, il y a un ascenseur, quoi. Oui, c'est vrai, faut que j'aille là-bas. Après, j'ai pris le mauvais chariot. Ah! Ramène-toi! Pure non. C'est moi ou ça a été ouvert ça? C'était pas ouvert ça avant si? Je sais pas, viens déjà. Oui j'arrive mais Là on regardera après quoi. Ouais. Bon en attendant je suis bloqué là-bas de cette fois. Tu as fait des coucous, tu m'as même pas répondu. C'est vrai ça. Allez. Arrête avec tes coucous. C'est la touche T. Je sais pas où la touche T. Ah. Non mais je crois que c'est la touche T, ça marche pas. Regarde derrière là, qu'on est là. C'était ouvert ça avant? Qu'est-ce qui était pas ouvert? Tout au fond là, le trou là. Juste ouvert. Ah ouais? Pas fait hier. Comment on fait pour retourner en face déjà? Là. Descends. Ah ouais. Let's go. Je crois qu'on a fait en même temps. Ouais. Ça fait tac-tac. Tac-tac. Ok, on y a... on avance, hein. Ouais. Oh bah j'ai plein de rouages moi. T'es mal à la tête du verrou. Ah y'a la clé jaune là. Non je pas, je vois plus rien. Je vois plus rien. Au pire laisse le point. Wow. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas lâcher. Attends. Je le prends. Ok merci. J'ai mis la clé jaune. C'est un bouclier. Allez viens. I'm Captain America. Je vois que dalle, je vous déteste. Je vois rien. Ramène tout. Mais je sais pas où j'avance. Va tout droit, on s'en fout. Oh, ça l'a pris. Vas-y, je sais où c'est. Okay. Eh oui, je sais, c'est moi. Mais le tête là, peut-être, en vrai. Sur le levier. Moi, je vois pas d'endroit où on pouvait mettre un gros truc. Je regarde un petit peu. En haut, il y avait pas de truc à levier. Attends, on va voir. Hein. Je suis pas sûr. Je viens avec toi. T'as pas le choix, je peux pas cliquer sur le bouton. Mais c'est pour ça, j'ai avec toi là, on est des assistés là. Ah. On est des assistés. J'ai pas l'impression. Je pense que cette zone ça sert plus à rien ici. Hein. Là peut-être. Non. Bah non. J'ai essayé de le mettre déjà tout à l'heure. Descend. Attends, il y avait un truc. Non, c'est tiré. Oui, pour envoyer le truc.
Là, je pense qu'il n'y aura plus rien à faire. Je pense qu'on est par ici. Hein. Let's go! Let's go! Spook! 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 Où est-ce que je fous cette merde? Je pense que ça va être par là. Hein. Là, il y a des genres d'écrou un peu, entre guillemets. Là. Ah, c'est en bas. Attends, on est con quoi? T'es pilou, ça. Attends, prends-moi cette merde. J'ai un écrou, moi. Voilà. Voilà, essaye de mettre le tien. Là, à gauche, à gauche, à gauche. Oui, à gauche. Là-haut? Non. À gauche. Là, là, là. Tu vois, en face de toi? Ah si. Voilà. Ah, du coup, maintenant on peut tirer là-haut. Maintenant on peut tourner. Voilà. De quel côté? On s'en fout. Merde. How are you, Spook? My Spooky. Ah, c'est bon. Il me dit qu'on c'est bon derrière. Okay. Ah, qui va dans la cage? Moi. Ah, tu t'en fais tout ça, Marus, hein. Je t'aime beaucoup, mais là, tu t'es niqué tout seul. Bah, allez, viens, on va faire sortir maintenant. Fais-moi descendre! Oui, madame. Adieu, Flush. On se reverra dans l'autre monde. Eh, ça va ou quoi? Trouve un moyen de me renvoyer la cage. Oh, je vais loin. Ouais, frère. Oh, je suis loin. Je pense que t'auras un bouton, tu vas essayer de l'autre côté. Oh. Alors, vraiment, ah, non. Vraiment. Non, vraiment. Ah, mais tu vois, je t'avais vraiment, dit qu'il y avait un truc à la place. Il y avait pas un trou. Ah, je suis enfermé. Bon, bah, de nouveau, hein. Hasta luego, muchachas. Zéro. Je comprends rien. Oh, je monte. Ma plateforme, elle monte. Mais moi, je comprends rien. Oh non, j'aime pas trop du tout ce que je vois. Ouais, et je sais pas s'il faut que tu te dépêches, parce que moi, si ça monte trop, je meurs, je pense. Mais je peux rien cliquer. Je sais pas, frère. Je sais pas ce qui va se passer pour moi. C'est un coup, ça me menait à l'endroit où je vais pouvoir faire quelque chose. Et c'est un coup, ça me met au plafond et je vais mourir. En fait, moi, j'ai genre une boussole. Ah non, c'est bon, ça s'est arrêté. Et autour de cette boussole, okay. J'ai des symboles. J'ai plein de symboles, mais je peux rien en faire des symboles. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté. C'est bon, je peux partir. Je te rejoins, je pense. Ça m'étonnerait, je suis enfermé. Hein. Je te rejoins peut-être pas alors. Mais je rejoins ta zone en tout cas, parce que ça part dans la direction. J'ai trouvé un. J'ai encore un vidéoprojecteur. Avec des chiffres. Oh non. Trois chiffres. Ça vise un cadran. Avec nord-est, sud-ouest. Ouais, moi aussi j'ai nord-est, sud-ouest, etc. Tu te souviens des tableaux avec les animaux et les. Avec. Tu sais, ils avaient des plastrons avec un furet dessus. Ouais. Tout ça, voilà. Ouais. J'ai juste un tableau comme ça. Ah, j'ai un. Livre. J'ai un livre. Faut que tu trouves quelque chose avec des codes. Faut que tu puisses rentrer des codes, des symboles. Ouais, j'ai. Avec trois trucs. Alors. Le premier, ça vise le nord et ça fait un genre de petit bonhomme qui lève les mains en l'air. Oui, j'ai ça, mais je peux rien faire moi. Le deuxième, ça vise encore le nord, mais cette fois-ci, ça montre. Ouais, mais ça montre quoi du coup? Cette fois-ci, le nord, c'est plus un genre de souris avec la queue un peu en angle droit. J'ai pas ça. Et le troisième, ça remonte encore une fois un bonhomme avec qui monte les mains en l'air. Mais juste un bonhomme et sans jambes, hein, si jamais. Je pense qu'il faut être précis. Attends, je vais. Bonhomme qui monte les mains en l'air. Je te fais un petit peu. Je vais encore. J'ai encore un livre avec des cadrans dessus. Ah moi c'est pas me laisser. Moi je ne peux rien faire. Avec 5 cadrans. Des symboles. J'ai un livre avec 3 cadrans. Un autre livre avec 5. Tu dois avoir. Voilà, j'ai 3 livres différents. 3 trucs. Oh. Voilà, tu dois avoir 3 trucs différents parce que moi j'ai des symboles et ils sont entourés par un truc. Enfin, une forme. Genre, j'ai des symboles avec des ronds, des symboles avec des carrés et j'ai des symboles avec des pentagones. Et ils ont chacun. D'accord, écoute-moi bien. Je crois avoir compris, mais je vais t'expliquer. Ok. Ah oh, merde. Oh non, ça manque en plus de galères. Tes pentagones et tout, je vois ils sont où, mais je peux pas interagir avec. Mais non! Moi j'ai rien à interagir, c'est moi qui te donne les codes. Ok, non, j'ai compris autre chose. C'est.
C'est ce que, par exemple, je sais pas, peut-être que t'as un livre qui s'appelle Pentagone, je dis ça random, hein. T'as un livre où tu auras, c'est Pentagone, okay. Et ben par exemple, au nord, le Pentagone qu'il y a, c'est le bonhomme avec les mains en l'air sans jambes. J'ai un truc qui est différent. En gros, c'est mon code à trois chiffres. Au-dessus de chaque chiffre, ouais. Il y a justement rond, pentagone, carré. Ok, mais t'as des symboles avec ça ? Parce que moi, c'est des symboles, alors j'ai pas de chiffres. Alors moi, en termes de symboles, si je tourne en fait mon projecteur, et eh ben là, j'ai les symboles qui apparaissent, du coup, avec les cadrans différents. Par exemple... Bah, dis-moi de quoi t'as besoin. Je sais pas. Bon, en fait, moi, j'ai besoin, entre guillemets, de... Je pense avoir compris. En gros, l'idée, c'est que chaque livre que j'ai trois livres, qui va sûrement être représenté par trois formes différentes, a des formes différentes de cadrans. Et je pense que toi, tu vas devoir me confirmer quel cadran est bon pour que je puisse faire le bon chiffre. Par exemple... Hmm. Attends. Donc, j'avais fait juste un truc de mon côté... Ouais, si, j'ai compris, c'est bon. Ok, on va commencer par le rond. Ok. Tu vas me dire... au nord, quelle forme c'est déjà ? Moi, c'est le seul symbole rond côté nord, c'est nord-ouest. Et c'est un bonhomme bâton sans bras, sans jambes, avec une queue qui perd dans tous les sens. Enfin, un bonhomme bâton sans bras, sans jambes et au nord-ouest, t'as dit ? En nord-ouest. Nord-ouest, en haut à gauche, on est d'accord. C'est en haut à gauche, c'est pas genre. Enfin, tu vois, sur la boussole, t'as nord, est, ouest. Ouais. Et tu peux. Et t'as encore des branches entre ouest et nord, par exemple. Ouais. Et bah, cette branche-là, à gauche, en haut, ouais, à gauche. En haut à gauche. Milieu, voilà, en haut à gauche. Et c'est le rond, ça, pour toi ? C'est un rond. Après. J'ai un autre rond avec un symbole. Attends. Le bonhomme en question, il est. Il y a une petite queue, comme tu dis, qui part en zigzag un peu. Ouais, une petite queue, ouais. Ok, il y a quoi à sa droite ? À sa droite, c'est-à-dire. Au nord, du coup. Au nord, le seul symbole qui est au nord, c'est un pentagone et c'est le bonhomme avec les bras levés. Oh frère, ça n'a aucun sens. Écoute, le seul autre symbole rond que j'ai. Je vais essayer de trouver quelque chose. C'est attends. Un X, mais avec une barre au milieu. Ok, on oublie un le rond. On oublie le rond, m'a changé. Ouais. Non, on va passer au carré. Va falloir que tu me dis des trucs. Qu'est-ce que tu vois le nord, carré, nord-ouest, c'est voilà. Nord-est, mais pas nord-est, c'est la barre où tu étais. Entre nord et est. Ouais, donc nord-est. Ah, c'est nord-est. Ouais, voilà. C'est nord-est, mais c'est pas nord-est, c'est là-bas au-dessus. C'est nord-est. Il y a quoi au nord-est ? Il y a. Alors. C'est un rond. Ouais. Et il a un chapeau et deux bras. Oh putain, mais pas sa mère. Aïe, quel en bas. Genre, en fait, c'est un. Ouais, non, mais c'est je vois ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est que dans. Au nord-est, j'ai deux fois ce symbole-là. Donc ça veut dire que c'est soit le 1, soit le 2. Soit le 4, non j'en ai 3 fois le même, donc là il va falloir que je sois plus précise et que tu me dises d'autres formes que tu vois et assez précisément. En carré ? En carré. En carré, du coup au sud, j'ai un... Comment je pourrais dire ça ? On peut dire que c'est une tête, d'accord ? Avec deux petites antennes, ouais, voilà, et un rond au milieu. Avec des petites jambes en bas à droite. Enfin, des petits pieds, pardon. Pas okay, des jambes. Ok, alors du coup ça réduit à 1 ou 4. Voilà, et après, le dernier symbole que j'ai à l'ouest... Les petites jambes, ils sont tout droits ou ils font un petit angle un peu ? Genre, ils sont posés comme ça ? Ouais, des petits pieds, quoi. Ouais, petits pieds... Et la tête, elle est pas fermée en bas ? Non. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, 1 ou 4, vas-y, continue. Et le dernier symbole carré que j'ai, c'est un demi-cercle avec un bâton. Où ça ? Ça, il est où ? Il est où ? Il est où ? Bah, il est où, lui ? Il est où ? À l'ouest ? À l'ouest, ok. C'est un demi-cercle coupé par un trait à gauche. Du coup, ça fait un D, genre avec ouais, une petite barre. Ouais, c'est une petite tête là, avec. Et ses yeux, c'est une barre. Non. Non, vas-y. C'est un D. On va partir sur un D majuscule. C'est un avec D majuscule. Une petite barre en bas à gauche. Ok. Et ça, il y a un petit arc pas fermé sur le côté qui le traverse. Par le bas ? Enfin, par le bas, par le côté gauche du D ? Le côté droit du D, ouais. Droit ou gauche ? Droit. Ah non. Il y a un petit arc là à droite. Attends, j'ai le 1. À l'ouest ?
à l'ouest. Oh, Fanny, toutes mes théories là. Ça fait un genre de petit dé, enfin c'est un dé majuscule. Ouais. Et un genre de petit arc un peu rond, enfin un peu rond, non, un peu ovale, enfin genre un demi-ovale qui le traverse. Bah, en fait, pour moi, ça coïncide presque tout. En gros, moi, ce que je vois, c'est un dé qui est coupé par un arc à gauche. Moi, il est pas à gauche. C'est ça le problème, tu vois. Et c'est à l'ouest, en fait. Après, il est ouest. Hein. D'ouest, ouais, c'est à l'ouest. Ouest, c'est à gauche. Ah, c'est à droite. Quoi? C'est à gauche. Ouais, c'est à droite. Oui, à l'est. Bah non, l'ouest c'est à gauche, l'est c'est à droite. Oui. J'ai voulu qu'on soit bien sûr de ça avant de faire quoi que ce soit. De plus. Je le vois ton petit dé que tu veux dire. En gros, ça, y a un, et ça ressemble un petit peu à un petit bonhomme avec des oreilles et ses yeux, c'est un trait. Ouais. Je vois pas où est-ce que tu vois un bonhomme, mais. Bah, en gros, genre, si ça fait une si tu penches la tête. Oui, si tu penches la tête sur la droite, oui, quand oui, tu voulais ce pencher. Sens-là, oui. Faut se pencher, faut se dire que Gazan, il est comme ça, tu vois, mais... Oui, oui, non, mais oui, dans ce oui, sens-là, sinon, oui, c'est dirait... un petit bonhomme avec des oreilles et ses yeux, c'est une... Mais ouais, c'est un dé à l'envers, du coup, là, de ton côté, c'est ça ? C'est un... Ouais. Bah, moi, c'est un dé tout droit. Moi, je le vois de face. C'est un dé normal. Oh, sa mère, attends. Ah, parce que toi, du coup, tu l'as pas du même côté que moi, comparé au nord, en fait. C'est quoi, je vais essayer. C'est quoi, carré, on va dire 4. Carré, on va dire 4. Maintenant, on va faire le pentagone. Pentagone ? Oui. Et pentagone, on va se marrer. Pentagone. Ouais, bah moi j'ai 5 feuilles. 5 cadrans différents. Ok, bah dis-moi, essaye de me dire un peu ce que tu trouves dans ta cadran. Au nord, il y a le bâton, enfin le bonhomme bâton avec les bras en l'air. Attends, le bonhomme bâton qui est pas. Donc le bonhomme bâton, donc en gros, il a. C'est un Y avec un rond au milieu, on est d'accord ? Enfin, un rond. Ouais, c'est ça. Ok. Et pour l'instant, j'ai 3, 4, 5, donc ça me réduit de 3 options. Passe à gauche, au nord-ouest. Nord-ouest. C'est une télé avec un trait dedans. Ok, j'ai, ça me avec réduit des, à 2. Une antenne au-dessus. À 3 et 4. Au sud-ouest, c'est genre un bonhomme, mais il est entouré d'un rond. Il a les bras et tout, une tête. Je pense avoir compris, vas-y, on va essayer ça. Et sinon, le dernier, c'est à l'est. Ça marche, ça marche. Bon, on est trop fort, Flush. Tellement trop fort, Flush. Je vais te mettre avec toi, j'y croyais à moitié. Comment ça ? Il y a un bonhomme, il m'a volé ce que j'avais dans la main. C'est un mannequin bizarre. Pourquoi c'est moi qui me tape tous les monstres ? D'habitude, c'est moi. C'est vrai. Écoute, je vais placer. Moi, je peux toujours pas sortir, moi. Attends, je suis en train d'ouvrir quelque chose, je crois. En face de moi. Quoi ? Pourquoi t'es en train d'ouvrir la porte en face de moi ? Bah moi ça a ouvert quelque chose mais... Est-ce que toi tu peux mettre un code quelque part ? Parce que moi ça a changé... Moi je suis toujours bloqué dans la même salle et dis-toi qu'en fait je suis sur une plateforme et qu'en face de cette plateforme c'est le vide. Je ne peux pas bouger. Je suis sur une plateforme, okay. Je n'ai rien à faire. Bah je vais voir ce que je peux faire parce que moi je peux rien faire non plus là tout de suite. Ça a changé le cadran en fait de côté entre guillemets. Mais je suis retourné dans ma cage et du coup j'avance. Okay. Je vais revoir la même chose, hein. J'ai une autre porte comme avant. J'ai exactement la même chose. Je suis pas fou, je pense qu'on doit faire tes deux autres livres. Non, mais on doit faire tes deux autres livres. Bah non, mais j'ai fait tous les déjà. Regarde, attends. Oula. Oh non. Je peux allumer un feu, j'ai allumé un feu. En fait, si tu veux, moi là, j'ai une. Comment ça s'appelle ? Tu sais, un gouvernail de bateau là. Ouais. Et tu vois, ma porte avant, c'était genre une porte ronde. Ouais. J'avais une boussole au milieu. Et j'avais tes symboles un peu partout sur la porte. Ouais. Là, quand je vais sur le truc, le mât de gouvernail. Ok. Ça me bouge tous les symboles à l'intérieur. Donc là, j'ai plein de nouvelles combinaisons de. Je peux faire plein de nouvelles combinaisons. Ok, écoute-moi bien. 11-4. Ok. J'ai un truc où je peux interagir. C'est un cadran avec 4 formes. Il y a le pentagone, le rond, le carré et un rouage. Et je peux interagir qu'avec ça. D'accord, mais tu mets deux logos au moins. La seule chose, et je peux cibler chaque truc. J'ai un cadran avec une aiguille et je peux les viser un par un.
Attends. Je sais pas ce que tu fais, mais des fois, ça allume des LED en vert, en fait. Ok. Ouais, bah, je sais pas. En fait, si tu veux, j'ai... En fait, si tu veux, imagine, tu vois HSR. Ok. Ouais. Tu vois les mini-jeux où tu tournes les trucs là, pour qu'ils viennent tous au même trait. Oui, carrément. Dis-toi, imagine ma porte, elle se divise pareil. J'ai une diode en plein milieu. Après, j'ai une diode dans le cercle du dessus. J'ai encore une LED dans le cercle du dessus. Et j'ai encore une LED dans le cercle du dessus. D'accord ? Ok. Et à mon avis, je pense que pour que je sorte, il va falloir que toutes les LED soient vertes. Et le truc, c'est que c'est toi. En fait, par exemple, là, je peux bouger mes logos, tu vois. Moi, je peux uniquement interagir avec ça. Justement, je te laisse. Là, je peux bouger mes logos. Ok. Si toi, tu bouges un truc, vas-y, bouge sur un autre truc. Là. Là, tu vois ? Non, ah non, mais non, mais change pas. Attends, je reviens alors. Hop. Tu vois, là, par exemple, je peux contrôler que les logos du premier cercle. Ok. Ah oui, j'ai compris. En fait, ton premier cercle, c'est le rond. Le deuxième cercle, c'est le carré. Le troisième, c'est le, voilà, le penta. C'est le pet... Par voilà. contre, ça, c'est quoi ? C'est au milieu. Ça change au milieu. Tout. Ok. Donc ça, c'est le rouage. Donc ça, ça, putain, ça veut dire qu'il faut que tu fasses tout en one shot. Sinon, parce qu'en gros, ça fait rond, carré, penta. Et après, ça fait le rouage. Et je peux pas choisir la direction de l'aiguille. Donc ça veut dire que dans tous les cas, faut que ça va finir par le rouage. Ou commencer par le rouage. Commencer, j'ai du mal à savoir comment commencer. Bah là, ça a commencé du coup, concrètement, vu que je t'ai tout remercié. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais c'est pas ça. Mais je vois pas comment tu peux commencer, parce que du coup, tous les autres LED sont éteintes. Bah après, faut les faire un par un, quoi, je pense. Parce que là, en fait, je comprends pas. Genre, par exemple, là, déjà, je peux plus rien toucher. En fait, je sais pas, reste sur un truc, qu'on fasse des tests, parce que là, tu fais que de te bouger, mais ça se change assez. Ok, bien. Moi, j'ai lâché au rond, le rond, ton premier cercle. Vas-y, change pour voir. Là, t'arrives à carré, deuxième cercle. Ouais, là, mais en fait. Penta, troisième cercle. Alors maintenant, je vais te dire une nouvelle info que j'ai. Ouais. Moi, ce cadran, si tu veux, je l'ai en face de moi, tu vois aussi. Je sais pas ce que je peux. Moi, ça bouge pas comparé à toi. Mais par contre, il y a des signes, des symboles qui sont illuminés comparés aux autres. Bah voilà, donc c'est ce qu'il faut que je mette. Par exemple, pour le premier cercle, moi j'ai la souris qui est illuminée. Et un genre de... De bateau, on va dire un petit bateau. Un petit bateau avec un petit... On revient sur le premier cercle. Bah, le premier cercle, c'est le rond, c'est là où je suis. Ah non. Non, t'y es pas. Premier cercle, c'est ça. Premier cercle, donc j'ai une petite souris qui est à l'est. Et un petit bateau qui est à l'ouest. À l'est et à l'ouest. Attends, je sais les mettre là. Est et ouest. Et moi, ça correspond pas. Est et ouest, genre j'ai le bonhomme avec une queue. Et le X avec barré. Enfin, le X minuscule avec une petite barre au milieu, moi. C'est ça. Après, est-ce que ça n'a pas changé ? Parce que moi, mon or a changé de sens, du coup. Vu que. En fait, vu que quand j'ai interagi avec mes trucs, ça avait tout bougé de mon côté avant, tu penses, au début. Et ça bouge. Tu penses qu'il faut qu'on change. Non, mais tu penses qu'il faut que je change. Ça doit être ça, la souris et le bateau que tu me dis. Est-ce que, du coup. Il faut que tu reviennes sur le rouage. Il faut que tu viennes sur le rouage pour que je change de côté. Ok, est-ce que juste la souris et le bateau, ils sont en face à face un peu ? Ouais, je crois qu'ils sont en face à face. Okay. C'est les seuls qui peuvent coïncider de toute façon. Rouage. Je reviens sur le rouage là maintenant. Ouais. Je suis sur le rouage. Vas-y, reviens sur le premier. Donc là, okay, sur le bateau. Bon. Voilà. Tu me dis quand je passe à la suite. À l'ouest et à l'est. Allez, okay. Le deuxième du coup. Alors, le carré pour ma part. Ça sera du coup une petite tête fermée avec un œil en plein milieu et deux antennes. Ok, je l'ai. En face. Non, on n'y avait pas en face, on s'en fout en face, j'ai rien dit. Du coup, là, pour le prochain, ça sera soit deux fois à gauche, soit deux fois à droite pour toi. Ça ressemble un peu à une. Tu sais, ces trucs de bateau, là, une encre. Une genre d'encre un peu bizarre. De toute façon, normalement, deux fois à droite, t'as soit le petit rond avec les petits C autour. Attends, j'essaie de changer pour voir ce que j'ai. Parce que moi j'en ai trois. Hein. De quoi, le symbole ? Ouais, le carré, il y en a trois. The fuck ? Alors moi j'ai ton. Ah, mais c'est peut-être ça que tu parlais. Parce que moi j'en ai trois qu'il faut illuminer, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut un truc.
Ouais, il y en a 3. Ouais. C'est quoi le troisième symbole? Le troisième symbole, c'est exactement le même symbole que j'ai dit en premier. Sauf que, non, c'est les mêmes, vraiment c'est les mêmes. C'est-à-dire donc une petite tête avec un rond au milieu, deux antennes. C'est deux fois le même symbole. Ok, j'ai les mêmes, mais le dernier c'est... Attends. Le dernier c'est une encre un peu bizarre. Moi c'est pas une encre, enfin je sais pas pourquoi ce soit une encre. Bah j'appelle ça une encre, peut-être que je peux ça différemment. On peut aussi penser que c'est un bonhomme qui fait tête de la luge ou avec un seul bras genre. Ah oui, oui bah oui, avec un seul bras, oui c'est totalement ça. Bah du coup c'est bon, très bon. Ok, on fait le pentagone maintenant. Ouais, le pentagone. Ok Marès, écoute-moi bien. Alors, j'ai la petite télé avec un trait dedans. Ouais. Juste à côté j'ai le bonhomme en croix. Ouais. Deux fois à côté. Le deuxième d'à côté, du coup, c'est un Y avec un petit demi-cercle sur une des trucs. Sur une des branches. Un Y avec une demi-cercle. Ouais, une c'est demi-cercle. Un Y. Chez moi, c'est un Y à l'envers, mais voilà. C'est un bonhomme avec les bras levés et avec une tête. Il y a pas de tête. J'ai pas de tête, bon, par contre. Ok, bah moi j'ai une tête. Okay, je vois ce que tu veux dire, je l'ai devant moi, mais c'est pas ça. C'est exactement le même truc, sauf qu'il y a pas de rond dedans. Y a pas de rond et c'est un demi-cercle sur une des branches. Et le dernier c'est quoi? Le dernier c'est un genre de V. Un genre de U même si tu veux. Un U avec des spirales au bout. Ouais c'est ça. Je vais essayer de tourner le truc à toi. C'est la meilleure flush. Ça m'a ouvert des portes. C'est dur ça. Hein. C'est dur. Je trouve pas. Honnêtement, je trouve qu'on s'est quand même vachement bien débrouillé dans le sens où t'as bien compris ce que je voulais dire. Non, mais moi de mon côté, c'était très dur. Hein. Ah non, mais j'entends bien, mais ce qui compte dans Weebois Air, c'est qu'on se comprend. Et on a vite compris ce qu'il fallait faire. Tu vois une arène toi aussi un peu? Une arène? Alors attends, moi je suis encore dans ma cage en train de bouger moi. Ouais, moi je vois une arène et j'ai très peur Flush, j'ai l'impression qu'on va devoir refaire un labyrinthe presque. Mais... Oh, je suis en bas dans l'arène, je suis dans l'arène. Je te vois pas. Je te vois, au-dessus de toi. Je sais pas où t'es. Regarde là, aussi tu me regardais en plus je crois. Ah oui, c'est bien truc. Là, je suis en bas, je pense qu'il faut que tu écrives un truc et je vais devoir te... Ah, attends, si j'ai une porte, attends, j'ai une porte. Moi je peux rien faire en haut, hein. Tu vas devoir tout gérer, moi je peux juste indiquer des trucs. Prisonnier dans l'arène. C'est une arène en plus, une vraie arène. Vivez les épreuves et gagnez votre liberté. Écoute-moi bien Flash, écoute-moi bien. Attends, on va rigoler ensemble maintenant. Alors je te vois avec des plateformes, on est d'accord. Oui, et moi j'ai une balle. T'as une balle? J'ai une balle dans ma main. Et moi je vois des symboles dans certaines plateformes. Alors en face de moi, je vois vraiment une guillotine, pour le coup, tu vois. Oui, voilà. En face de toi, c'est une guillotine, par exemple. Attends. Qu'est-ce que tu vas devoir faire, là? Je sais pas, j'ai marché sur la guillotine et ça a fait une musique bizarre, quand même. Bah ouais. Oh putain. Oh, c'est un chemin. Je pense que c'est... Ah écoute. Je pense qu'on va refaire... Ouais. Bon, on va reprendre Starai. Tu sais, t'as un jeu où tu dois prendre les plateformes sans revenir sur les mêmes plateformes. Oui. Pareil. Alors là, maintenant, je vais te dire un truc. Retourne... Oui, mais quand tu as une guillotine, est-ce que c'est... Retourne devant la... Ouais, je pense qu'il faut que je prenne toutes les formes, peut-être. On verra. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication. Ah non, j'ai déjà dit. J'ai des indications devant moi. Ils sont devant moi. Ça s'est caché, j'ai pas vu. Ok, alors, attends avant que tu te lances. Oh, ça reste. Il faut que tu sois très, très prête, ma chère Flush. En plus, la gauche et la droite, c'est compliqué. Et là, la gauche, on connaît. Est-ce que tu t'en sors plus avec le nord, est, ouest, nord, sud plutôt que la gauche et la droite? Non, gauche et droite. On est mort. On est mort. Ok, écoute-moi bien, Flash. Là, en gros, tu vas devoir prendre les bonnes formes, les bons symboles d'affilée. Par exemple, ça sera la guillotine en premier, donc elle est devant toi. Et après, tu vas devoir aller tout en haut à gauche. Cours à gauche.
Mais attends, là je vais à gauche et après je vais en haut, ou là je vais tout direct okay. tout. Ok, on va faire un autre jeu. Tu oublies gauche et droite. Okay. Maintenant, faites gravin ou moi. Gradin ou moi. Quoi? Les gradins de l'autre côté, et moi je suis de l'autre côté là. Ok? Ouais. T'as compris? Ouais. Ok. Alors là, tu vas longer gradin. Mais là, je vais gradin là. Tu longes gradin, vas-y, tu cours, t'inquiète, fais confiance. Très, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Je peux pas courir, hein, je peux pas courir. Ok, tout droit, tout droit. Et après, tu vas venir vers moi. Une fois. À trois fois, tu vas aller de côté là, de là où t'as spawn. Ok, stop, tu vas là où tu spawn. Bien joué, Flash. Maintenant, tu retournes un peu côté spawn. Tu descends une fois. Encore une fois, devant moi. Descends. Viens vers moi. Ok, maintenant tu vas du côté fin, côté finish. Continue, va côté finish, continue. Et tu vas monter deux fois. Une fois, deux fois, et là tu vas direct à droite. Va... Bien joué, flush. Ouh, flush. Ouais. J'ai une balle. En fait, c'est pas une balle, c'est un poids. Oh putain, c'est pas fini, quoi. Run two. C'est le gars. C'est encore pire ici, c'est encore pire. C'est mauvais une porte. Ok. Ouais, bah viens vite. J'arrive. Oh, ça daronne, j'ai peur. Oh, je peux activer un truc. Je peux activer un levier. Oh putain. Ouais. Oh, ça daronne. Oh, c'est la peur. Oh ok, j'ai 5 symboles là où tu vas devoir aller. Okay. Attends, je vais me faire le chemin dans ma tête comme je l'ai fait pour avant. Il n'y a pas que tu es sur le levier que ça va voir si ça s'ouvre la porte. Déjà. Ok, ça ouvre la porte. Okay. Il y a du temps. Ouais, bah. Il y a du temps. Oh et moi, les symboles, ils s'enlèvent. Faut que je les mémorise. Oh va à H, hein. Je sais plus c'est quoi, mais tout droit. J'ai envie de voir. C'est pas tout droit, c'est droite ou gauche là. Va droite ou gauche, on s'en fout. On va essayer de voir comment fonctionne la room. C'est du crash test. Va tout au fond. Oh putain. Si j'ai compris, écoute-moi bien, c'est encore plus galère que je pense. Pourquoi c'est l'écho qui explique ? J'étais bon avant, et pourtant j'ai quand même fait gaffe pour la droite et la gauche et tout, genre, j'étais fort je trouve. Mais à droite et à gauche ça va, je m'en serais sorti. Écoute-moi bien. En fait là l'idée c'est que je crois que tu vas pas devoir passer par les images, mais tu vas devoir passer par les bordures grises métalliques. Ouais. Parce que entre, par exemple, bah, ou le levier, mais... Genre là, genre là, tu vois, passe par le gris au milieu, en plein milieu. Ouais, tu vois, ça part pas. Alors okay. Là, si tu vas tout droit, avance une fois. Va sur le gourdin là. Merde, va sur l'épée. En face à droite. Non, je comprends rien. Ok, non. Donc c'est une grande question de temps. Ok, d'accord. Laisse, Mais moi, je peux rien cliquer. Non, mais c'est moi, c'est ça. Ah, faut que je finisse. Je réfléchis. En gros, là. En fait, moi, ce qui m'intrigue, tu vois, c'est que avant la partie d'avant, ce qui était bien, c'est que ça indiquait quand tu avais pris la bonne plateforme, au bon moment. Tandis que maintenant, là, ça n'a activé que dalle. Pourtant, t'as pris le gourdin et c'était le premier truc. Attends. En plus, ça. Moi, Je suis nul en mémoire, faut que je me les note. Oh non, moi, en plus, je suis trop forte en mémoire. Ça va faire un... Comment on appelle ça? Tu sais les chaînes avec un boulet autour, au fond, avec là? Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Les noms d'armes, on va appeler ça chaîne. Tu sais qu'on va appeler ça chaîne, on va pas se prendre la tête. Chaîne... Je vais appeler ça chaîne, sabre... En plus, il y a des sabres, il y a des poignards, il y a des trucs différents, genre, c'est des bâtards. Voilà. Chaîne... Poignard... Comment il s'appelle, c'est l'arme... ok. T'as déjà vu Asterix et Obélix? Ouais. Tu vois, le druide, tu sais, il a une genre d'arme en arc de lune. Non. Pour couper les plantes. Trop vieux. Une faucille. Une faucille, voilà. Faucille, poignard. Et c'est quoi? Pourquoi ça? Pourquoi c'est moi le dindon de la farce, là? Je crois qu'il y a plusieurs haches différentes, par contre, attends. Non, c'est bon, il n'y en a qu'une. Ok, flash. Pas bien, flash. Là, maintenant, je me le fais dans la tête. Ouais, mais en fait, je comprends pas. Est-ce qu'il faut que je marche sur tous les symboles
pour que je reste en vie ou faut que je reste sur un des symboles à la fin du timer en fait. Ah, tu penses que ça marche comme ça? Bien on essaye. Ok, on va essayer ta technique. Ok, je visualise, c'est bon. T'es prête? Vas-y, fais ton parcours si tu veux. Hein. Va à gradin, côté gradin, deux fois. Non, je pense que tu peux passer dedans, t'inquiète. Voilà, et va ici. Maintenant, on va laisser le temps passer. Watch me tomber en gain. Non, tu tomberas pas. Je pense qu'en fait, le parcours, il reste, et après, ça se relève, et je vais sur un autre symbole. Je pense qu'il y aura d'autres symboles à faire, ils vont devoir changer. Ouais, voilà, c'est ça, totalement ça. Oh, faut enchaîner. Poignard. Viens vers moi, à fond, viens vite. À fond vers moi. Je peux pas courir. À fond vers moi. Trust. Encore, stop. Cette fois-ci, elle est où? Elle est là-bas. Non, mais ça change. Ouais, je sais que ça change, mais je vais voir si ça change vraiment ou pas. J'ai pas fait gaffe. Okay. Non, ça change pas. Côté gradin. Va gradin. Je la vois, elle est en face de moi. Ok, parfait. Et après, tu vas retourner poignard exactement du coup là où t'étais avant. Tu reviens poignard après, d'accord? Et tu vois la hache à côté de toi, ça sera la dernière truc à faire après. Hache? Ah oui, ça, ok. Ok, poignard. Tu reviens là où j'étais. Vers moi. Oh, ça va vite. Et la hache, tu l'as vu, tu sais où elle est. Ouais. Oh, j'adore ce jeu! Je kiffe! J'adore voir. Dans mon affaire, gros. C'est fou. L'étape là, elle paraissait hyper difficile, mais en vrai, beaucoup trop facile maintenant. Ok, hache à droite, tu l'as vu. Et là, je rigole. 6ème, tu sais pas c'est quoi, surprise? Surprise, motherfucker. Tu vois le gars déçu par cette arène-là, si jamais. Oh. Ok, t'as réussi, bien joué. Let's go. Là, je pense que la dernière étape, elle va être galère, je sens. Oui. Bonsoir. C'est bien plus grand, déjà. Ouais. Oh non, oh là, que... Oh, j'ai des souvenirs de ce jeu. Alors, Donc, en gros, là, on repart vraiment sur le jeu qu'on avait fait au début. Ouais, de base. Sauf que cette fois-ci, on aura des galères. Donc je vais devoir faire le chemin dans ma tête avant que tu commences. Donc là, logiquement, faut que tu fasses ça, que t'ailles au chevalier. Oh, Faraf. Chevalier, après bouclier. On va faire tac. Faut pas que je marque deux fois sur la même plaque. Hein. Ouais, exactement. Chevalier. Fais-moi faire des détours au pire, on s'en va. Bah, c'est ce que j'aurais à te faire, mais là du coup, même en faisant des tours, ça nique. En fait, l'armure, elle est vraiment bien foutue. Du coup, si on fait tac. Ouais, en vrai, comme un bourrin, en vrai, ça pourrait être passé. Faire tac. 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 Hop, ça on enlève. Ça fait tac. Ah, ça nique. Si je passe par là, c'est foutu. Ok, non, ça marchera pas. Deux fois là. Hop, ça remonte là, si tu longes par là... Si je fais comme ça... Non, faut que je repasse par là... Oh, si je fais ça, je condamne la sortie. Non, je condamne aussi. Attends. Si je fais pop, tac. Je mange. Je le casse. Non, ça marchera pas. Tac. Tac. Oh, ça rase. Combien de symboles en tout? De quoi? Et combien de symboles à prendre en tout? Il y a 4 symboles. Mais le problème, c'est qu'en fait, le premier symbole, enfin le deuxième symbole, il coupe la map en deux quasiment à chaque fois. En gros, c'est quoi? En test pour que tu mémorises un peu le bordel.
va tout droit. Non, attends, j'essaye. C'est une paille sans les sympas. J'essaye en random. Bah ouais, je suis fait random. Descends là. Tu... Pourquoi je suis tombé? Pourquoi t'es tombé? Oh bah tiens, on a bien fait d'essayer. Je crois qu'il y a une croix. Quand il y a des croix, ça veut dire que ça tombe direct. Attends, on va réessayer. En plus, les symboles, ils changent à chaque fois du coup. Et ils changent de place ou pas? Ils changent de place. Oh. C'est pas grave, on va essayer déjà de voir pourquoi je suis tombé. Ouais. Attends, faut que tu fasses tout le tour là à chaque fois. Oh, ça te pille. Faut que je remonte à chaque fois. Ah, je comprends pas, la croix. Attends, je vais tout droit, je vais voir si je touche le symbole de la croix. Attendez. Pourquoi je tombe? Je crois que j'ai compris. Je crois que si tu prends le mauvais symbole, tu tombes direct. Mais il y a un symbole à prendre, il y a un sens de symbole à prendre. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je galère. Hein. Ah ouais, bah tu me dis pas aussi à moi. Ah ouais, c'est pour ça en fait. Donc t'as 4 symboles à prendre et en plus de ça, il faut que tu prends les bons symboles. Non. Par exemple, là t'as le marteau devant toi et t'as une hache à ta gauche et cette hache, tu la prends, tu meurs, tu tombes. Ok. Donc là, ça ferait normalement marteau qui est devant toi, fossile. Ça ferait tac, tac, tac. Non, tac, 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 tac. Tac. Tac, 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 tac. Je crois, attends. Ok, attends. Je crois que j'ai trouvé la solution directe. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Non, je crois que ça mange tout là. Attends. Marteau. Après, tu passes par là. Donc, tu manges rien du tout de ces côtés-là. Logiquement. Après, là, tu pars. Même si je fais ça, je le condamne aussi. Donc, faut plutôt faire comme ça. Donc, là, ça a dévoré ce côté-là. Tac. Tac, 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 tac. Bon, on va essayer de faire un test chelou. Tu vas d'abord aller donc une fois devant toi. Et après, tu vas venir vers moi. Deux fois. Tu vas à droite. Voilà, côté fin. Encore une fois. Ok, encore une fois. Tu vas maintenant aller côté gradin. Ok, stop! Tu vas aller... C'est mort. Ça a déjà cassé le jeu. Ça a déjà cassé le jeu. Ça a déjà cassé le jeu, y a aucune chance. Va prendre la peau, vas-y, prends la fossile. Donc en gros, va une fois là, une fois à droite. Tu montes en haut. On peut pas aller chercher... Faut que j'aille... C'est quoi le prochain symbole? Le prochain symbole, c'est la hache. Donc c'est au spawn. Où tu retournes au spawn, c'est pour ça que c'est grillé. Tu vas passer par là, voilà. Sauf qu'après, il faut que tu récupères après la masse. Mais la masse, elle est à l'opposé. Et là, c'est tout, c'est condamné. Donc, faut que tu tombes. Ouais, ça a condamné trop vite le truc, c'est pour ça que c'est un peu hard. C'est du coup, en fait, des fois, il faut que tu fasses un. Faut que tu prends quelque chose. Après, est-ce que je prends pas le problème à l'envers? On va essayer autre chose. Essaye d'aller au plus loin, hein! Non, justement, d'aller au plus court, en fait. Si je vais au plus loin, ça veut dire que je suis pas. C'est bon, est-ce qu'elle est placée, en fait? Oui, bien sûr, mais là, bon. À chaque fois que je vais là, je vais au plus loin, ça condamne le truc parce qu'en fait, du coup, vu que tu grilles beaucoup de plaques, il te reste quasiment que dalle. Alors qu'au plus court, tu vas griller moins de plaques, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, ça dépend d'où est-ce qu'elle est placée le truc. Bien sûr, donc là, c'est H. Après la H, il y a ça, donc tu vas devoir faire tac, tac, tac. H aussi, ça fait tac tac tac. Non. Tac tac tac. Tac tac, ça j'aime bien pour l'instant. Donc là, ça aura grillé tout le côté gradin quasiment. Après la fossile, il y a le cercueil, ça fait. Oh! Je crois qu'il est gifted. Attends. Tac tac tac. Tac tac tac. Tac tac tac. C'est gifted de fou. Ok, flush. Tu vas prendre le chevalier. Devant toi. Chevalier. Tu vas côté gratin. Te trompe pas, là je crois qu'il est gifted. Ouais. Tu vas côté fin. Tu continues.
encore une fois. Et là, tu vas à la droite après le mur. Enfin, à côté de moi, vers moi, vers moi, vers moi. Ok, stop. Tu vas prendre le machin du pendu et tu vas aller tout jusqu'au mur là-bas. Jusqu'à la croix. Comme c'est gifté. Viens vers moi, Flush. Viens vers moi. Viens vers moi, copine. Viens là. Bien vu, Spook. On my way. Maintenant, tu vas côté fin du jeu. Deux fois. Trois fois même. Stop. Tu montes deux fois. Non, monte. Non, 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 non. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça peut. Attends. Tu vas côté. Ça, la fin, non. Va gratin deux fois. Gratin deux fois. Et tu vas sur la fin, c'est bon. Oh, the bee. Bah, dans tous les cas, les deux, oui, les deux oui, marchés. Non, 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 mais genre, j'avais un plan dans ma tête et j'ai pas fait gaffe aux autres possibilités. Ah. Et d'un coup, je t'ai vu à partir du moment où je me suis dit. C'est pas fini, Echo, c'est pas fini. Arrêtez, connais. Oh non, non, c'est la version A. Oh. Là, je vais t'expliquer ce qui va se passer, Flush. Tu sais, tout à l'heure, c'est facile. C'est pourquoi c'est facile avant? Parce qu'il y a beaucoup de temps. T'avais beaucoup de temps et t'avais moins de symboles. Là, t'as plus de symboles et je pense que t'auras moins de temps. Ouais. Ok, bah attends, je me renote mes, mon truc, mon schéma. Poignard. Et je suis sûr que ça va que les logos ils vont s'inverser ou des trucs comme ça, genre. Improbable, hein. Un mur. Trident. Ok. Je vais jamais mémoriser. Donc le poignard, il est là. La hache, elle est là. Et chevalier, il est où? Il est là. Armure, elle est au début. Et le trident, il est au fond. Ok. Donc tu vas prendre le poignard. Donc vas-y, on va commencer. T'es prête? Oui. Tu vas à la fin. Va à la fin, va à la fin. Et quand je te dis gradin, tu vas côté gradin. Donc tu le verras, le poignard. Voilà, va à gradin. Quoi? T'es sûr qu'il n'y avait pas deux poignards? Quoi? Un plus près? Quoi? Quoi? Mais t'as pas eu le temps? T'es sûr qu'il n'y avait pas un. Attends, je suis une espèce sociale. Oh sa mère, c'est quoi ce délire, Flash? Si j'ai compris, c'est encore plus dur, que je pense que ça va être encore plus dur. T'as pas le droit de marcher sur certaines plaques? C'est pas ça le problème, c'est qu'en gros maintenant j'ai deux cadrans différents. J'ai un cadran qui signe et un autre cadran qui apparaît avec trois signes différents. Interdit. Bah je sais pas s'ils sont... Oh peut-être interdit ouais. Va masse, on est où la masse? Non mais c'est trop tard. Va tout droit quand même. C'est trop tard écoute. Non mais j'arrive à 2 km/h. Mais on s'en fout, en tout cas... bah rien. Ah tu voulais voir... Je voulais faire du limited thing. Tricheur? Quoi tricheur? Attends. J'y suis pas allé. T'as cassé le jeu? Ah ok d'accord, je peux relancer, je peux réactiver. Allez bâtard, c'est dire. Ah les bâtards. Marteau, il est où? Il est où marteau? Il est à droite. Va. Ouais, tu vois, t'as pris la guillotine et c'est interdit, t'as raison. C'est bon. Mais tu me le dis pas. Non mais c'est bon, on a. Testing, limite testing. Moi j'avais un doute, soit c'est interdit, soit c'est parce qu'il fallait que tu passes par là avant d'arriver au truc. Ok. Mais non, avec le tout peu de temps. Ouais, tiers. Ouais, on sait jamais Flush, on sait où il va y avoir. Ok. Prends sa race. marteau. Fossile. Poignard. Fossile. Masse. Ok. Je vais pas avoir de passer sur quoi? Attends, pour l'instant je peux pas. Je le saurai uniquement quand je vais activer le levier. Ok. Et là il va falloir que tu ailles au marteau tout à droite. Donc je vais te dire par où faut pas passer. Faudra pas passer par tout ça. Donc tu vas passer par l'armure. Passe par Fossi. Cercueil. Bouclier, chevalier et masseau. Et marteau. Chevalier. Marteau. Et que tu restes là. Et après, il faudrait que t'ailles fossile. Elle est où fossile? Elle est là-bas. T'as trop fait le même chemin? Bah, je sais pas. Je me demande si ça va pas changer, moi, mes sens. Mes trucs interdits. Mais ah si, bah. si ça, oui, tu passes par là. Ça change. Ah. Ok. Tu vas
tout à gauche, tu longes à gauche. Non, tu... non, non, va à droite, va à droite, va à droite, va à droite. Fais le même chemin, même chemin, même chemin. Et tu passes pas par le cercueil, tu passes par le poignard, poignard, sans, le sabre. Fossile. Ok. Ok. Il a fait mission direct. Je l'ai vu passer, je fais non, 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 oublie, oublie. Fuck, apporte la mission, apporte la mission. C'est lui qui a confondu droite et gauche. Des fous. Mais j'ai oublié qu'il y avait le, encore le symbole, j'ai mal vu. Ok. Donc là, il faudrait aller au poignard, il faut pas passer encore par le scaphandre. Poignard, il est où? Oh les bâtards, passe par l'armure. Armure, guillotine, hache. Tu fais tout le tour, fais tout le tour. Tout le tour. Tout le tour à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Tout le tour, vraiment le tour, le tour, le tour. Mais pas frérot, j'ai du temps hein. Mais t'avais large le temps, t'avais encore 6 secondes. C'était large, mais t'inquiète, c'est pas grave. Je peux pas savoir. En même temps, tu me dis pas ce qui est interdit, dis-moi directement. Mais je t'ai dit tout. Oui, bah oui, non, mais c'est sûr, mais. Ah oui, j'ai fait tout le tour. Bah oui, j'ai non, pas fait le plus grand tour non plus. J'ai coupé le tour. Ah oui, frère, c'est bon. Vas-y, c'est pas grave, pas grave. Mais dis-moi les trucs interdits, ouais, genre. Je frérot, si je suis devant un mec, oui. Si je suis devant un truc interdit, tu me le dis. Ouais, mais j'ai pas envie de te brouiller d'infos et qu'après tu paniques. Bah tu me dis pièce par pièce, c'est où je vais, c'est tout. C'est ouais. Tellement plus simple en fait. Oui, bah oui. Me dire fais le tour, non. Bah pour moi, ça paraît simple, faire tout le tour. Mais c'est pas grave, j'ai compris. Ok, Flouche. Je récupère encore les symboles. Bah après, logiquement, les symboles, en vrai, je sais pas si je m'en bats les couilles, je sais pas s'ils disparaissent, j'ai pas fait gaffe. Je vais voir ça après. Ceci. Maf. Guillotine. Pendu. Et trident. On va commencer par la faucille qui est donc directement à ta gauche. Et là tu vas voir bizarrement ils vont enlever l'armure ces bâtards. T'es prête? Vas-y. Let's go. Armure, chaîne et ce qui est cercueil. Non d'accord. Théorie là, pas armure. Ça c'est non mais ça c'est les interdits là, justement. J'ai été. Ah non mais je veux pas de bruit d'infos. Tu vois. Après, c'est quand même dit, dis-moi juste où je marche. Ça va plus vite. Ouais, mais oui, du coup, non, je fais la contretemps avec les infos, tu vois, du coup. Ok. Bah oui. Oh, on commence. C'est pas compliqué. Une seule règle, tu me dis où je marche. C'est tout. Okay, pas de, ne marche pas là, c'est juste marche ici. Ok, madame, c'est bon, je gère. Ça va être beaucoup plus simple. Aussi, tu vas voir. Guillot. Marteau. Pas marteau, marteau, trident. Ok. Et go. Trident, il est où? Attends, faut que je trouve le poignard. Pardon. Le poignard, il est là-bas. Interdit à ça et ça. Non, mais il a okay. Rien. Ok, alors va. Là, je crois que prends l'armure, prends l'armure, prends l'armure. Prends la chaîne. Prends l'épée. Prends le casque. Trident, masse, poignard. Et tu restes sur le poignard. Tu restes là. Et après, on va devoir retrouver la faucille qui est juste pas loin de toi, mais je pense que là, ils vont interdire le pendu et le scaphandre. Pendu, scaphandre interdit et chaîne. Alors, du coup, tu vas passer maintenant par l'armure, là, le bouclier, pardon, bouclier, le home, la masse, enfin, le marteau, la hache, la guillotine, l'armure. Et après, tirer à la faucille. Et tu restes ici. Elle est où la guillotine? Ça va aller là-bas. Tours, frère. Ok. Prends le pendu. Tu prends après le poignard, pardon. Bouclier. Épée. H. Guillotine. Et tu restes sur la guillotine. Et après, il faudrait que tu ailles là-bas, je pense. Ok. Tu iras après sur le. Attends. Ok. Passe par l'armure. La faucille. Le cercueil.
Le bouclier. Le home. Et tu vas finir par le marteau. Et tu restes là. La fois que c'était fini, je me demandais pourquoi il me fallait là. Non, non, il y a encore un trident. Après, ça sera du coup à droite, mais là, je pense que tu le verras tout le tour, je pense. Mais on va voir, on va voir. Attends, j'ai l'épée. Ok, hache. Guillotine. Faucille. Comment ça, faucille? Armure, pardon, armure. Faucille. Pendu. Cercueil. Poignard. Massue, trident. Oh, tu m'avais fait un détour de 3 km. Non, 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 prends le... Ah, non, c'est mort, je suis désolé. My bad. J'ai tellement cru, en fait, que ça allait finir par le trident que j'ai focus le trident. C'est bon ? C'est bon ? Je sais pas, non, c'est pas bon, c'est bon. Mais t'es pas bon, si, c'est marrant. Côté, c'est tu... Bah oui, mais tu peux pas mourir. Il manque... Non, c'est pas le trident, c'est l'épée à la fin. My bad. C'est totalement my bad, ce coup-là. Oh, mais attends, je peux pas descendre. Ah non, je suis bloqué. C'est pas grave, je peux le réactiver, moi. Non, je peux pas réactiver. On a cassé le jeu. Tu peux rien activer à une sortie ou quelque chose pour mourir? On a cassé le jeu. Non, il y a des pics tout autour. Et même à la fin là? C'est quoi la lanterne là? Enfin, la lanterne, je sais pas trop quoi. Il y a quoi devant le jeu, devant le truc? Je sais pas, je me fais 4 km du passé là. 4 heures. D'ailleurs, on a eu un succès, c'est ça. Hein. J'ai pas compris, mais on a eu un succès. Attends, je peux placer la boule? Non, c'est fini. Quoi? On a glitch, ouais. On a glitch. Ok, on a glitch, go. Ah adapté. Non. Pas grave, frère, on s'en fout. Ah oui. Mais Milo, on a, là. On a c'est un bon. Succès sur ça, je pense que ça n'a pas eu en mode... Vous êtes des bâtards. Oh, il y a un... Oh, c'est glauque. Bah, il y avait un monstre. Il y avait un monstre juste à ta droite, et quoi. Ah, t'es con. Il y avait un monstre juste à ta droite, il vient de partir. Milo, c'est tout. Putain, je peux enfin courir, je pouvais plus courir depuis tout à l'heure. C'est vrai, vite. Quatre fois. Oh, quatre fois. Ah, c'est chaleur. Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, j'aimerais beaucoup. Je suis dans les égouts, frère. Qu'est-ce qu'on va faire? T'es où parti? Où t'es allé où, frère? En bas. Ah putain, j'ai pas vu qu'il y avait un truc en bas, bien vu. Bien vu, j'ai pas vu. C'est un labyrinthe, hein. Oh non. On aurait dû rester ensemble. Non, t'es là, regarde, hop, t'es là, comme ça. Ouais. Là, tu utilises la torche. Bah, ça dépend pourquoi. Là, avant, je voulais allumer des lumières, c'est pour ça. Ouais, j'ai de bon chemin. En fait. Allez, hop, Smurfed. Toujours à droite. Montez là. Toujours à droite, on a dit quoi. Ah. T'es, lui, c'est barré. Ah non, c'est fermé. C'est tout le fin. Je te conseille. Oh putain, la galerie de fou. Toujours à droite, t'as dit. Oui. Ah, on peut pas. Et du coup, t'es pas suivi. C'était pas, t'es pas parti à droite, hein. Bah, la t'es droite, vraiment parti à gauche, flèche. Hein. C'est vraiment la droite flèche. Quoi? On est pas arrivé du bon endroit, c'est pas possible. Je suis allé là. Là, oui. C'est à droite, hein. Non, là-bas, c'est à gauche, hein. Non, là-bas, c'est droite, flèche, pour de vrai. No joke. Non, là-bas, c'est à gauche, arrête un peu, c'est ici, mais, à droite. Mais de là où tu es, c'est la gauche, mais d'ici, c'est... on arrivait par là, et la droite, c'est ici, du coup. Flèche, je la connais, ma droite et ma gauche, alors arrête. Moi aussi, je la connais. Mensonge. Tu m'as pas suivi, si tu me suis. Wait, le chat. Oh, le chat, oui, le chat, Spook. Le chat. Je pense qu'il faudrait aller à gauche, là, il y a un truc bizarre. Non, non, vraiment, c'est où je suis. Oui, c'est là où tu étais, du coup, à gauche. Alors, t'arrêtes, tout de suite. Arrête, dès que t'es droite à gauche, je m'en sens plus. Allez, flash, côté gradin. Aide-moi. Alors, pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir sur ce Forever. C'est un plaisir. Mais je sais qu'il est incroyable. Je trouve qu'il surpasse les... Oula, oula. Bonsoir.
4. Ah, c'est celui qu'on a revive dans le 4, non? Dans le 3? Non, c'est la marionnette, ça, non? Ouais, mais justement, c'est pas elle qu'on a revive. Shoot him! No gun! Shoot him! Piu piu! Oh, on est magique! Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, c'est pas magique, wesh! Je m'envole! On s'envole! Oh la marionnette! La team Rocket s'envole vers d'autres cieux! Is merged with the keep. All you see, my king is. And my king sees all he is. And yet, he sees you not. Isn't that delightful? What? Your greatest gift is being utterly unremarkable. C'est sympa, c'est magique. So, unlike myself, so... Quoi? On va te balancer là-dedans? Now, in you go. Wow. Chaco, tu te calmes, hein? De fou! Oh, c'est ça que j'avais vu! Oh non, ça je me rappelle et c'est horrible. Ça me fait peur. Hein. C'est vraiment horrible. En fait, c'est qu'une histoire de porte et de téléportation avec des leviers, c'est trop chou. Ok. Bah moi, j'ai effectivement des numéros avec des... Oh, puis je suis du mauvais côté, non, c'est toi qui as tous les leviers. J'ai des leviers, moi, j'ai aucun levier pour l'instant. Je peux juste prendre un portail. Si tu veux avoir des leviers. Bah, prends le portail, hein. En fait, je suis coincé. Donc, à partir du moment où je suis coincé, c'est que c'est toi qui dois me décoincer. Et moi, je te décoince. Alors, okay. Ça marche comme ça. Ah, ok, ça marche comme ça. Ok, du coup, je peux monter. Genre là, toi, tu vois, toi t'es porte... t'as la porte 1 et la porte 2. Moi, ouais. Je sais pas quelle porte je suis. C'est marqué, normalement. En dessous de moi. Ok. Bah moi j'ai porte 1. Et porte c'est marqué quoi en dessous de moi? Je te vois. Oui, mais c'est marqué quoi en dessous de moi? Porte 5. Ok, moi je suis porte 5, toi t'es porte 2. Ouais. Et voilà, donc bah prends ton portail. Ok, tu redescends bah. J'ai une croix moi. Bah moi j'ai des croix de chaque côté, moi je peux rien faire, c'est que toi là. Mais c'est que je peux pas faire grand chose pour l'instant aussi hein. Genre, attends, je vais reprendre le portail mais je vais reculer quoi. C'est pas ok, c'est bon, j'interagis quelque chose là. Voilà. Moi je peux monter. Okay. Toi tu fais des trucs comme ça. Et toi tu peux avancer aussi. Non, active. reviens. Non mais c'est bon, active ton portail là. Active ton truc. Non, toi reviens. Voilà. Exactement ce que je t'ai dit, voilà. Ah merde, mais pourquoi ça s'est pas activé de l'autre côté? Il fallait que ça se montait en fait, my bad. Ok. Ah mais oui, j'avais ce sens là, oui. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'était pour moi genre. Mais pourquoi? Non, c'est moi, j'ai cru que ça a monté, mais de ta réactive, chaussure, en fait. Réactive, pour voir. Je suis parti, attends. Tu peux pas repartir? Attends, c'est quoi ça? Ok, c'est bon. J'arrive à la porte 3. J'arrive là. Attends, monte, attends, descends pas. Réactive ton verre, ouais, j'allais dire. Ah non, je peux pas passer. Ah moi que attends. Ouais. Oh zel. Je peux activer un truc orange? Bouge pas, attends, je vais dans mon portail. Merde, pardon. Moi c'est rouge. Il faut rouge. Moi c'est jaune. Ah non mais attends, je suis retombé au début en fait. Moi je peux bouger jaune et vert là, actuellement. Mais je. Mais si j'active le jaune, je pourrais peut-être pas réactiver le vert si c'est bon. Je peux activer le vert là. Attends. Si t'actives le vert, ça fait quoi là? Ça fait que t'es en face, non? Attends, je vais essayer de monter. Arrête de tout bouger! Non, mais j'essaie de voir fou, ce que ça fait vers moi en fait. C'est pour ça. Non, mais moi, il me faut du rouge, moi. Bah, moi, j'ai que du jaune. Pour... Après, c'est. Jaune et rouge, attends. Non, t'avais du rouge avant. Ça? Du rouge? Ah non, moi, je te jure que j'ai que jaune. Hein. J'ai jamais eu rouge, moi. Ah, si, t'étais au début. Attends, je veux voir, je reviens au spawn pour voir.
Attends. Deux secondes, je vais essayer un truc. Attends, quoi que, est-ce que ça sert... C'est peut-être, ça sert peut-être à rien, ce que je fais. Il est où mon prochain portail, Ico, là? À toi de me dire, je vois pas, moi. Toi, t'es au 6, donc logiquement, tu devrais aller au 8. Si tu vas au 6, tu vas descendre... Il faut que je fasse comment? Attends. 6. Frère, y'a qu'un 6. C'est possible, ça? Non, non, regarde, si je prends le portail, regarde où je vais. Ah, t'es là, t'arrives là-bas, d'accord. Logiquement, si tu es là, ouais, logiquement, c'est un rouge qu'il faudrait que tu passes, toi. Mmh. Est-ce que toi, de là aussi, si tu vois où est le levier rouge, de chez moi? Non, c'est peut-être de là-bas, attends. Le levier rouge, il est au 2, il est au début. Ok, donc peut-être qu'il faut que je revienne en arrière, ça marche. Bah, retourne au 6 pour l'instant, enfin, là où t'es. Ah non, je reste au vert, je reste au vert. Bah, le vert, je peux aussi... Il va falloir que tu utilises. Oui, mais le vert, je peux aussi l'allumer de mon côté, je crois. Ah ouais, vas-y, t'inquiète, ça me bloque pas, de toute façon. Alors, j'arrive, tu vois, je crois que je passe par là. Je fais tac, non, là, tac, t'es en train de remonter, t'inquiète. Hop là, et moi, je m'active moi-même le vert, regarde. Hop là. Après, je réactive le jaune pour passer. Active-moi le vert pour voir. Ok. Réactive-moi le vert. Dégage. Je peux cliquer. Ok. Tu peux m'activer le bleu ou pas? Non. Sérieux? Non. Ah quoi que, attends. Non. Non, toi, il faut que je prenne le 9 pour aller au... Le 9, il est devant moi, en plus, je le vois. Et pour que tu y ailles, il faudrait que tu passes par le 8 ou par le 5. Attends. Ah mais non, c'est encore le levier rouge qui va bloquer. Oh, sa race. Là, ce qui serait parfait, tu vois, c'est que tu descends ici et que le levier descende et que tu vas cacher au... Ce serait bien qu'il tu ailles là. Et t'es où là, toi, attends? Là. Oui, bah là, je te vois pas. Ah, oui, c'est bon. Mais t'as repris ton portail au 3. Reprends ton portail au 3. Bah, le truc, c'est que je vais au 3, moi, je peux plus rien faire en fait. Je peux plus t'aider. Non, mais. Mais si, va au 3. Le 3. Vas-y, descends. Non. Vas-y. Ah, ouais, simplement. Ah, bah non, du coup. Si, va au 2. Vas-y, avance. Prends ton portail. Ok, attends, je peux activer ton rouge. Attends. Vas-y. Ah, faut que t'actives le vert maintenant. Ok, attends, je vais voir si je peux faire quelque chose. Oh, ou alors non, bouge pas. Bouge pas où? Enfin, si, tu peux bouger, mais reste pas longtemps. Attends. Attends, je me suis débloqué moi-même. Ok, je suis au bleu maintenant. Non, je suis au 8. Attends. Ok, je suis au 8. Il me refaut, faut que tu actives du vert. Le vert, tu peux normalement. Pour m'activer le vert, il va falloir que tu dépasses quelque chose encore. Il va falloir que toi-même, tu me débloques le vert, je crois. Quoi? Bah, j'ai je suis au 8, j'ai plus de levier. Attends, fais rien. Je vais essayer de aller à droite à gauche pour voir si je peux me démerder. T'as plus aucun levier, toi? Accessible? Mais non, je suis au 8 là. Il faut. Et moi, j'ai plus aucun levier accessible non plus. Genre, j'en ai vraiment aucun. Je vais même pas appuyer sur quoi que ce soit là. C'est. Attends, quoique, je crois que je sais. Attends. Bouge pas. Hein. Ok, t'as besoin du verre ou pas là? Un peu, ouais, je pense. Non, mais attends, remonte où t'étais, hein. Il sent pas plus, hein. Active le vert pour moi. Merde. Ok, ça me refait descendre. Et si tu appuies sur le vert encore là? Je peux pas, t'es en train de glitcher ou je sais quoi? Non. Je peux appuyer sur le vert. Mais si t'es sur la plateforme, tu peux pas faire ça. Justement, là je suis ici, tu peux plus, tu pouvais pas appuyer avant. C'est pour ça que je te dis ça. Vas-y. Ah ouais, je suis bloqué là par contre, là c'est. Eh non mais reviens. Je crois que ça demande d'aller où là?
Bah justement, c'est bien ça le problème, c'est que moi j'arrive à un point où j'ai plus aucune... Mais non, mais toi, tout à l'heure, t'étais où? Tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, j'étais passé par là, j'étais arrivé ici, et j'avais réussi à revenir au rouge. Oui, mais non, revenir au plus loin où t'es passé tout à l'heure. Au jaune, wow. T'es arrivé au jaune et tout. Bah, pour arriver au jaune... Tu m'avais ouvert assez de trucs pour que j'y aille, là je peux plus les ouvrir ce truc là en fait. Oh, faut que tu... Mais si, redescends. Prends ton portail, là. Ah, voilà. C'est bon. Là, on arrive au jaune. Touche à rien, toi. Attends-moi, là. Ok, faut que je me l'active une fois. Moi, je suis au jaune, du coup. Ouais, bouge pas. Parce qu'en fait, si tu te barres, moi, ça me bloque. Mais de toute façon, les jaunes, c'est que pour moi. Toi, t'as rien de jaune, en plus. Donc, Oui, mais en fait, à partir du moment où t'es là-haut, tu devrais pouvoir te sentir toute seule. T'as du vert, tout à l'heure t'as dit que tu pouvais toucher à du vert. Ouais, mais si je touche à du vert, ça me bloque les sorties pour arriver au jaune, je crois. Ça fait rien. C'est un enfer, ce niveau. Si, appuie sur le vert, écoute. Je peux plus. Et si, tu pouvais tout à l'heure, donc tu peux le faire. Bah franchement, regarde dans... Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu pouvais appuyer sur du vert. Oui, je pouvais appuyer... Ah, par là, peut-être là-bas. Ouais, mais non. Tout à l'heure, tu m'as dit que je peux appuyer sur du vert. Ouais, mais je sais pas pourquoi, là, du coup, mon jaune, il descend pas. Ah, c'est toi, tu dois bah avoir oui, une solution avec le jaune. J'ai aucune solution, en fait. J'ai un truc jaune à bouger, effectivement. Mais ça ne fait absolument... Pourquoi c'est bloqué? Il est bloqué ah, un peu. Ah, c'est à cause de moi, attends. Je descends. C'est refait là? Ah voilà, ouais. Voilà. Là j'ai accès au vert. J'accède? J'interagis. Tu rappuies une fois sur le jaune. Enfin oui, vas-y, fais le vert. Et maintenant refais le jaune. Voilà. Ah. Ok. Attends, alors moi il me faut du bleu maintenant. Du bleu? J'ai jamais vu de bleu chez moi. Hein. Bah moi je suis au 7, ou du jaune. Du jaune j'ai. Ok. Là j'ai accès à jaune et vert là. Refais du jaune peut-être? Je vais regarder si ça... Non. Non ça marche pas, je vais me coincer en fait là. Moi j'ai accès que à le vert là. Après, je peux même pas reculer pour le coup, donc... On fait jaune pour moi? Ouais, attends. Attends, bouge pas. Hein. Est-ce que tu me vois? Là? Oui. Ouais. Tu peux me dire, c'est quoi la porte là-bas? À ma droite? C'est la 7. Attends, mais logiquement, tu peux y accéder si j'active le jaune là, non? Si tu fais ça? Non. Ah non, ça fait comme ça, ok. Vas-y, mets le jaune. Mais là, je redescends en fait. Ouais, et là, le vert, moi, pour que j'y aille, il faut que je réactive le jaune pour pouvoir y aller. Et là, je vais jusqu'où en fait? Je vais à la 8, mais j'y étais déjà à la 8, non? Quand t'arrives à la 8, je pourrais potentiellement t'ouvrir la verte. Ok. Non, attends, la 8. Ah. Non, mais la 8, c'est de là où je viens. Est-ce qu'il y a une porte au-dessus de moi là que je pourrais accéder? Là tu vas accéder à la 7 quand tu vas monter là. Oui non mais est-ce que en faisant... Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse monter au-dessus quelque part? Oui ça bouge... Je sais pas, attends, on va voir. Non. De toute façon là pour monter logiquement faudrait que tu arrives à la porte 9. Et la porte 9 elle est... Waouh. Attends, je vais juste essayer un truc. En fait, faudrait que tu arrives maintenant à accéder à la... Oh sa mère, oh sa mère. 9, 9, 9. En fait, on reste bloqué par la rouge en fait. La rouge, j'ai l'impression que tant que j'accède pas, on peut rien faire. En gros, là, faudrait que tu arrives à la porte 5 qui t'amènerait à la porte 6, voir. Mais c'était les portes d'avant, ça, moi. Hein.
De quoi? C'était mes portes d'avant. Ouais, hein. Mais c'est pour ça que je suis en train de voir un peu. En gros, toi, il faut que tu arrives absolument à la porte 9. Et la porte 9, elle est de mon côté. Et moi, face, pour moi, c'est du bleu. C'est du bleu, oui. Il faudrait que tu arrives au levier bleu. Mais bah, comment tu vas aller au levier bleu? Il est où mon levier bleu, moi? Parce qu'en fait, même il est juste en dessous de toi. Ah ouais, et c'est quoi le dessous de moi comme porte? La porte 4, non? La 4. J'ai jamais vu la porte 4. T'as pas un moyen de me faire passer par là, toi? C'est t'as du pas jaune. Un levier jaune, bouger non du jaune. T'as pas de jaune chez toi? Non, non. Bah après, tu le vois, hein, si j'ai un levier jaune, hein. Non, c'est vrai que je le vois pas. Je vois pas comment l'activer, parce que ça voudrait dire que... Moi, j'ai un levier vert ici. Et ce levier vert, bah, concrètement, il me sert pas à grand-chose. Hein. C'est quoi cette chose-là? C'est mon chat. Faudrait que j'arrive du coup au final à la... Toi, moi, faudrait que j'arrive à la 4. Mais toi, j'ai l'impression que l'immense problème, c'est vraiment faut que t'ailles à la 9. Sauf que pour arriver à la 9, il faut du rouge. Faut que je passe à ma gauche surtout, non? Pour arriver à la 9. De quoi? Faut que je passe à ma gauche, là. Là où il y a du bleu, là. Bah, en fait, il faut que tu ailles, que ce soit en dessous de toi. J'ai l'impression que pour aller à la 9, il faut que tu passes par la 5 du haut. Il faudrait activer la rouge pour que ça enlève le pont-levis, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça. Je peux aller à la 5, hein. Je pense que je peux aller... Ouais, mais ça changera que dalle, je pense. Attends, là, je suis coincé. Après, retourne à la 5 où t'étais avant. Pas à la 7. Parce que de là-bas, je peux t'activer un pont en jaune, je pense. Ah, mais là, c'est juste pour faire le chemin en arrière, hein. Il faut du vert. Du vert? Attends. Mets-toi autre part parce que là tu bloques l'interaction. Ok. Tu bloques l'interaction? Non, je suis sur rien du tout. Ah oui, effectivement, ça bloque que l'interaction. Il faudrait encore le jaune du coup, c'est bizarre. Là, il me fallait le vert et le jaune pour passer. Ah. Là, il manque toujours le vert. Hein. Ouais, sauf que le problème, c'est que moi, je peux pas activer le jaune et le vert comme ça. À moins que... Attends, je suis un truc. Mais d'abord, t'actives le vert, et après, t'actives le oui jaune. Du coup, là, il y a la porte rouge. Là, je suis à la 8. Quand t'arrives à la 8, t'arrives à la... Bah, j'arrive au bleu. Enfin, j'arrive à... refait du vert. C'est pas ça refait le vert, mais ça te fait... En gros, ça te fait un... tu reviens, je crois, au truc. Non, là, je suis à la 9. 6. Ah oui. Puisque... T'es sûr que c'est pas... Je suis sûr. Bah, là, je suis revenu au vert. Mais en fait, c'est... Faut que je revienne au vert pour te faire retourner au rouge, tu vois, mais bon... Après, du coup, on aura plus orange, donc c'est pareil. C'est ça. Mais d'un côté, le rouge, je n'ai jamais réussi à débloquer. Donc peut-être qu'il faudrait à un moment commencer à débloquer ça, tu vois. Et moi, j'ai toujours pas accédé à l'étage où potentiellement j'ai peut-être du bleu là-bas, tu vois. Je sais pas si j'ai du bleu là-bas. Parce que je vois un levier bleu, mais je suis pas sûr que ça changera quelque chose. T'as du bleu en dessous de toi, c'est la porte 4. Mais pour aller à la porte 4, pas comment tu fais. Quel enfer ce niveau. Il est très beau, hein. Moi, je déteste ce niveau. Je l'avais déjà détesté quand je l'avais regardé, donc. Et tu vois, l'avoir regardé ne m'a pas fait me rappeler ce qu'il fallait faire. Ah oui, non, mais. Enfin, techniquement, on sait, mais on c'est trop chiant. Comment te faire atteindre? En fait, toi, le but, c'est que t'arrives à arriver là, et il faudrait que j'active deux fois la bleue, en fait, à la fin. Et toi, t'arriverais logiquement à la fin. Mais moi c'est pareil, genre il faut que j'arrive tout là-haut pour finir. En vrai c'est ça, moi je suis à ça d'avoir fini mon terrain. Mais le problème c'est que rien ne dit que si je finis bien que ça finit le tien. Moi si tu me débloques le vert, logiquement je peux arriver au bout, je peux même te rejoindre j'ai l'impression, mais... Mais je l'ai le vert là. Essaye pour voir là chez. Ça a rien fait hein, c'est ça. Bah oui. Non, toi, dans tous les cas, t'as pas besoin de vert, toi, t'as besoin d'orange. Ouais, c'est le jaune, toi t'en as pas.
Non, tu vas pouvoir finir... Bah en fait, je me demande si c'est justement pas toi qui dois finir en premier pour pouvoir me rejoindre. Ah mais d'à côté même, ça je crois que dalle. T'en fiche de finir, faut déjà capter la 4. La 4 c'est tout là-bas au bout. Mais vas-y, clique sur l'orange là. Va tout... Ah bah non. Moi je suis bloqué. Attends. Sûr, hein. Ah quoi que non, je peux encore passer par là. Là il faudrait le vert pour que je redescende. En fait j'essaye de se faire aller à la 4. Là j'arrive à la 3. Vas-y prends... Ouais mais du coup tu vas remonter, c'est marrant. Attends, fais ça du coup. Ah, mais le bleu. Ah non, ah c'est ouais. Quoi en face de toi là? C'est le bleu. Si, c'est du bleu. Ouais. On arrive à la même problématique au final. Oui, mais en fait, je vois pas comment tu vas à la 4. Et moi, je vois pas comment t'arrives à la 9. Pour moi, en fait, il y a une logique qui me dit qu'à la 9, en fait, tu peux y passer si tu prends la 5. Mais j'ai un gros doute. Parce que si je fais ça, tu peux passer ou pas? Non, tu peux pas passer. Non. Attends, reprends la 3. Ok. Descends. Merde. Attends, ich. J'arrive à la 2. Ok. Je peux activer la rouge maintenant. À 2, t'as... Voilà, la rouge. Attends, j'ai... Alors, c'est dans mon sens, du coup. J'ai la rouge. Ok, je peux l'activer. Du coup, il me refaut la vert. Attends, non, non, reste le rouge, on va essayer dans l'autre sens. Du coup. Ouais. Active mon vert. Là, je suis à la 8. Là, il me faut du vert. Et au-dessus de moi, c'est quoi? Du vert. Là, du coup, je suis coincé à la 8. À la quoi? Attends, reste à la 2. Reste à la 2. Regarde au-dessus de moi là, il me faut quoi pour continuer mon parcours? Du vert? T'es où? Je suis en bas, tout en bas à gauche. À gauche! Je vois pas là? Non. Activez ta lanterne. À gauche! Ah, droite du coup, ma droite. Oui. D'accord? Ah bah oui. Toi, tu vois du jaune. Toi, logiquement, là, il faudrait du. Non? Toi, logiquement, il faudrait que j'enlève le vert en fait. Est-ce que là tu peux retourner à ton vert ou attends, c'est mort? Attends, je vais voir où ça va moins là déjà. Bah tu vas nulle part moi. Hein. C'est ta part de début. Pour aller à mon vert, il me faut un vert. Ou alors, il faut que tu restes au jaune et que je revienne là après. Ça reste le même problème, c'est-à-dire qu'il faut que tu réussisses à revenir, tu vois. Ouais, mais on a pas essayé. Essaye de retourner au jaune. Ben, il me faut le vert. Ah, c'est juste le vert, attends. En sachant que je peux t'activer les rouges aussi au bout d'un moment. Maintenant. Ouais. Ok. Active encore le vert. Active encore le vert. Ah, non, c'était pas le vert. Réactive. Ouais, tu vois, ça reste le même blocage. Là, il me faut le bleu. Attends, comment j'ai fait pour interagir avant de revenir au jaune? Comment je suis arrivé au jaune? Active le vert. Quoi? C'est bon, je suis au jaune. Reste sur le jaune, encore. Ouais. Parce que moi, il faut que je vois si je dois encore m'activer du vert ou pas. Ok, là, faut que je me l'active. Vas-y, fais le jaune. Oui, madame. Ah bah non, hein. Remets-le. Et t'as pas de vert hein, de ton côté. Là, si attends. Du vert, là, maintenant, là, je peux activer du vert maintenant, là, tout de suite. Vas-y, active du vert. Oui, madame. Là, réactive du jaune. Ok. Ça, je peux encore le faire. On
on revient au truc de base où on était avant. Où on était bloqué. Non, la roquille jaune. Oui. Ah si. Et là, je peux tricher jaune deux fois et tu vas redescendre. Je peux activer du vert aussi maintenant. Hein. Attends. Ouais, du vert et du jaune. Attends, deux secondes, je vais essayer un truc. Va tout à droite. Ok, attends un peu. Je fais ça. Et ça. Tu peux aller quelque part, t'es où là? Tout au fond. Merde. Bouge pas. Tu vas arriver là. Et là, logiquement, tu peux plus rien faire, c'est ça? Attends. Donc là, ça va? Ouais, bouge pas, je vais trouver un truc. Monte. Prends le 7. Logiquement, tu vas arriver là-bas. Bouge plus. Attends, bouge. Ah putain, si je fais ça, ça me nique. Descends tout en bas. Hein. En fait, en vrai de vrai, faudrait que t'arrives à la 6 et j'ai accès au vert. La 6. Ouais. La 6, elle est où? La 6, elle est là. Et la 6, elle est tout en bas à gauche. Ah, mais... En vrai, si, je crois. Attends. Bouge pas du tout. Je vais voir si tu fais ça et ça, si tu peux y accéder au bout d'un moment. Ouais, tu peux... Vas-y. Descends. Et la 6, j'étais déjà... Bah, la 6. Ok, bouge pas. Oh non, là. Oh, je suis déçu. Active ton portail, toi, ton verre. Fils de chien. Ah, je pensais que ça allait réussir. Attends. Si je fais ça. Non, les chiens. En gros, là, je pensais qu'en activant là où t'étais, que ça allait en fait activer la 9 et t'arrivais directement à la 9. Mais en gros, ça veut dire que celui-là, il faut l'activer encore. Ouais, le chemin de la 9, c'est ça. Le chemin de la 9, en gros, là, maintenant, il faudrait que j'arrive à la, faudrait que t'arrives à la 5. À la 5, est-ce que tu peux accéder à la 5 via la vert? Faut que je reviens à la rouge et toi que tu sois à la 6, je crois. Parce que si je fais ça... Ouais, je crois que c'est ça. Il faut que je revienne à la rouge d'une façon ou d'une autre. Et moi, là, faut que je bouge. Jaune. Tu bouges pas pour voir pour l'instant. Parce qu'en gros, il faudrait que t'arrives à la 6 et que je t'active le rouge, en fait. Attends. Peut-être que je peux le faire moi-même, tout ça. Je vais voir. Allez, bâtard. Tu peux activer la verte? Active la verte, ouais. Yes. Réactive la verte. Ça me fait le chemin, c'est super. Oh non, ça arrive à ce bloc là, non. Ça arrive au blocage bleu maintenant. Non, tu peux revenir, va dans la 3. Oui, je peux revenir, mais du coup, tout mon plan se jouait sur le fait que j'arrive à revenir sans trop d'utilisation vers le rouge. Appuie sur le vert. Quel... Non, salaud. Je pensais que j'y arrivais. T'es à la 2. Oui. Mais si. Mais vas-y. Quoi? Okay. T'es à la rouge, là. Vas-y.
Attends. Ça change rien. Val à 5. Donc t'arrives là logiquement. Attends. Si je fais ça, t'arrives là. Monte, vas-y, monte, t'arrives à la 6. Du coup, si on fait ça, c'est logique, c'est débile. Et il fait quoi si tu montes là? Il fait à la 5. Ok. Attends. Donc en fait, là, il faudrait que le vert soit arrivé là. Je descends la gauche, je vais voir si je fais ça. Donc il faudrait que tu passes par la 7. Ouais, en fait, la stratégie, c'est ça. C'est que tu... Faut que tu arrives à la 7, que tu descends ici, que j'active le vert d'une façon ou d'une autre, et là, tu arrives à la 9. C'est la seule stratégie possible pour réussir à monter... pour réussir à aller au truc. C'est faire 7-9. Je crois qu'il n'y a aucune autre solution pour pouvoir aller... Ouais, il n'y a aucune solution viable autre que elle pour aller à la 9. Il faut dans tous les cas, il faut que tu ailles tout en haut à gauche, tout en haut à droite de toi du coup, que tu arrives tout en haut, comme on l'a fait tout à l'heure, que je te fais descendre tout en bas, tu vas arriver juste dessous la 6. Attends, qui est le rouge? Mais là, ah oui, j'ai le vert. Ouais, le bloc. Ok. Tu vas arriver à la 8, tu vas arriver en bas, il faudrait que j'arrive à débloquer la jaune. Tu peux pas activer la verte, toi, hein. Bah là, je peux y retourner, mais ça a tout rechangé, quoi. On va pas revenir. Encore une fois. Oh, le jeu du démon, quoi. En fait, on était pas si loin que ça tout à l'heure, du coup, ça veut dire. Et si, on était loin, parce que je suis bloqué là depuis le début, donc moi, j'ai jamais avancé. Parce que là, en fait, ce qui est logique, c'est vraiment faut que tu prends la 7. Faut que t'arrives à tout en haut à la 7 et que tu descends tout en bas. Mais je peux aller à la 7, mais toi ça veut dire que toi t'es tout en haut. Du coup t'as pas la rouge. C'est ça. Après là logiquement j'ai envie de te dire, moi j'ai plus besoin de toucher à la rouge là maintenant. Si tu me trouves un chemin où t'as plus besoin de passer par la rouge, je pense que c'est pas ok. Hein. Je sais pas, moi je peux retourner au vert, c'est sûr. Essaye de voir si t'as un chemin où je peux éviter de te passer par le... utiliser le rouge. Si c'est pas le rouge, mon chemin il est déjà prédéfini, tu vois. Bah vas-y, là c'est bon, je suis ouvert. Je peux te faire revenir. Vas-y. Vas-y toi, vas-y. Vas-y. Bah toi, retourne là-haut. Ok. Vas-y. Vas-y. Non, c'est en bas. Ok. Non, il faudrait que tu arrives à la 7, toi. Alors, comment je te fais arriver à la 7? Mais moi, je peux y retourner. Mais moi, je peux retourner là-bas. À la fois, je peux me remettre le rouge. Ah. Enfin, le vert. Putain, j'ai cher. Du coup, là, tu arrives à la 8. Et moi, il faudrait que j'active le jaune, c'est ça? Ah non, c'est toujours en vert, enfin quoi que c'est en vert, je sais pas. Attends. C'est bon? Non. Faut que je t'enlève le jaune peut-être? Ouais, réessaye le jaune. Et là, logiquement, t'arrives à là. Pourquoi ça marche plus? Le vert. Attends, reviens. Retourne juste à la plateforme. Attends, descends. Stop. Bouge plus. Pitié que ça marche. Tu peux ou pas? Monter. T'arrives à la 9 normalement. Let's go. On y arrive. Ok. Donc là on arrive au bleu. Active là juste pour voir comme moi ça. Moi je suis au bleu. Ok, génial. Attends, le bleu. En fait, passer au bleu pour que toi tu me fasses monter. Attends. T'as besoin d'aller où pour aller au bleu? Je crois que c'était par là. Là il faudrait maxi. Oh putain. Et puis du coup je peux. Non. Non. Si. Non. Si. Okay. Non.
Là, il faut m'activer le vert pour que j'accède au truc. Mais toi, faut que tu recules le fond. Est-ce que t'as un vert qui traîne? Mon vert, il a la 6. Non, le vert, il faut retirer tout. Non, bah, faut le casser la malchance, mais... Active le bleu, simplement. Logiquement, tu l'as activé. Du coup, là, chez moi, il est activé. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que tu recules, mais du coup, j'aurai accès au bleu. Et je vais pouvoir te le réactiver. Mais moi, je pourrais... Je peux pas sortir, là. Pour l'instant, mais après tu... C'est ça. Vas-y, après... retourne, vas-y. Avance. Bon. En fait, le jeu, c'est qu'il faut qu'il y en ait qui recule de 2-4 pour que l'autre, il avance de 3, qu'après, que l'autre, il recule encore 2. Moi, je suis coincé, là. Voilà. Mais non, je suis coincé, moi, là. T'as besoin d'un jaune ou d'un vert? Pour que je te... Attends. Ok, non, c'est bon, je me suis débrouillé. Tu peux activer un vert, toi? Il faut un jaune, je crois. Il faut un jaune? Je peux. Je crois, ouais. Alors ça me remet dans ce merde là. Non mais non, je suis coincé, j'aurais dû rester au bleu, je pense. Bah le problème c'est que si je reste au bleu, moi je peux plus reculer, je peux plus du coup aller à mon bleu moi. C'est quoi en face de moi? Je fais quoi le jaune? Ouais. En fait, ma théorie c'est qu'en fait il fallait que je te fasse accéder à ton bleu pour que tu l'appuies une seule fois. Pour que ça active le mien et que moi je puisse réactiver ton bleu à toi, tu vois. Mais il est où mon vert là? Je retourne comment au vert? Toi, faut que t'ailles au 6. Oui, non, mais je veux bien, mais comment? Parce que là, moi je cours partout, mais je sais pas lequel. Bouge pas. C'est bon, vas-y, descends. Ok, non, tu restes là 2 secondes, je vais faire mon truc. Active le vert une fois. Ok, attends. Active encore. Pourquoi ça n'a pas activé? Pourquoi ça n'a pas activé? Non, reviens. C'est le type. Allez. Active le vert. On descend. Ah bon? Ah ouais, bien vu. Et là, je suis au bleu. Ok. Mm-hmm. Et au 4. Attends, juste un peu voir ce qu'il y a là-bas. Y'a rien là-bas. Y'a rien? Ok. Attends, j'essaie de remonter pour voir si j'ai besoin du vert. C'est bon, j'ai pas besoin du vert. Parce que moi, du coup, là, faut que je retourne où, là? Logiquement, on va voir que tu vas devoir activer le bleu. Enfin, tu vas devoir aller au bleu, pardon. Au 7 bleu. Et là, bah là, on en retrouve au même problème. Le jaune. Ok, par du vert, là. Attends. Non, du jaune ou du vert? Attendez, je vais faire un truc pour m'avancer et voir si je peux pas débloquer des trucs pour toi. 2 secondes. Moi, je peux. Là, j'ai du vert pour t'ouvrir. Je sais pas, ça me dire où faut que j'aille là. Attends. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, ok. Donc, il faut que tous les deux on arrive là-bas. Moi, je pensais pouvoir te rejoindre d'une façon ou d'une autre, mais non, ça marche pas comme ça. Attends, t'es où toi? Oh, t'es au 8. La 8. Vas-y, prends la 8. Okay, là, il faudrait quoi? Du vert, attends. Là, t'arriverais à la 6. La 6, c'est où? La 6, c'est là. La 6, c'est pas important. Au vert. Du coup. Là, faudrait que je t'active la rouge, peut-être. Attends, si je fais ça. Non, la rouge, on n'a pas besoin. Hein. T'arrives à me faire retourner à mon bleu, du coup. Ouais, c'est ça.
c'était pas rouge, je m'en rappelle pas. Enfin, moi, j'ai jamais su. C'était en gros, pour retourner à la rouge. Attends. Pour retourner à la rouge, il fallait que tu passes par la 5. Non, il faut que je passe par la 7 tout en haut. Que tu descendes par là, donc faut que j'active le vert ici. Après, une fois que tu arrives à là. Je te réactive le vert. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Il faut que tu retournes à la 7. Alors, la 7, comment on y retourne? Si tu prends la 6, tu vas arriver là-bas. Et le rouge te bloque. Il faut du vert là? Non, il n'y a pas de rouge. Du coup, tu arrives à la 8. Tu fais arriver là-bas. Et donc là, si je te fais ça. Non, je ok, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge, bouge plus. Redescends. Enfin, descend, monte, monte à droite, pardon, monte au 9. Voilà, c'est bon, on a gagné. On est bon. Prends la 9, prends la 9, vas-y, continue. Voilà. Tu t'actives là. Moi, je vais. Moi, je vais t'activer le est-ce bleu. Est-ce que tu m'actives du bleu? Ouais, disons. Tu l'actives. Ah. Ouais. C'est pas ce que j'im. Attends. Si je fais ça et qu'après je fais ça. Ah, faudrait que. Oh putain, sa mère. Faudrait que t'ailles la 7. Mais pourquoi je suis mis au bleu alors? Ça n'a aucun sens. Je pensais que c'était par là, mais non plus du tout. Faut que t'ailles la 7. Attends, t'es où toi? 9, 9, t'es là, tu descends. Ah, ben c'est bon. Faut que j'active le vert, attends, faut que j'active le vert. Attends, faut que j'active le bleu. Tu montes tout en haut, tu prends la 7. Et tu m'attends. Ok, tu y vas. Et tu m'attends, d'accord? Bah tu m'attends à la clé. Clairement je suis beau, hein. Attends-moi à la clé. Ouais. Le mec, il était... Moi je t'ai dit, je pense faire des pires... Enfin, c'est celui que j'ai le moins aimé parce qu'il est... Enfin, ouais, mais je suis content. J'ai l'impression de rien avoir pu faire. Enfin, de rien ben, avoir pu faire en fait, tu m'as carré mon early, je t'ai carré le late. C'est simplement ça. Ouais. Faut que tu tournes avec moi. Ah, vous direz. Ça te dit on stop? Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Je trouve qu'on a bien avancé, hein. Je trouve qu'on a été extrêmement bon en fait, même j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, je trouve que c'est pas dégueu. Ah, je me rappelle, j'ai quelques souvenirs de celui-là. Je veux même pas le commencer. Enfin, je suis content. C'est pas celui-là, il dure longtemps celui-là, mais il est simple. Ok. Bah écoute, je vais mettre Torti, un... tout progrès non sauvegardé. Ouais, bon, on peut pas sauvegarder, de toute façon, c'est là, on va d'avoir le succès, c'est tout. T'arrêtes là, hein. Oh, il y a mis les indices maintenant? Oh, c'est stylé. Ouais, j'avais même pas vu ça. Bah écoute, ouais, on peut pas, ouais, c'est automatiquement, je pense, hein. Ouais, je pense qu'après un chat, un succès. Et pas un succès, c'est bon. Bon, j'ai ouais. Quitté, hein. Ouais, j'ai vu, t'as quitté, c'est bon, c'est pas bon, logiquement, on est bon. Bah, merci ceux qui étaient là. Merci à ceux qui étaient là, c'était vraiment cool de fou. Je me trouve que j'avais une coupe normale à la début du stream et là j'étais tout ébouriffé genre. Hein? Aïe aïe aïe. Délire. Bah merci à tous ceux qui étaient là, c'était un plaisir. On se revoit pour une prochaine fois avec Flush. On va essayer de reprogrammer une date pour la semaine prochaine. Cette semaine c'est un peu compliqué d'en mettre. Et ouais. Vas-y, je suis grave content d'avoir repris ce jeu. Je suis vraiment heureux. J'avoue d'être heureux. Je suis joie, bonheur. Beaucoup trop bien ce jeu. Ah, vraiment trop bien. Et c'est kiffant à fou. Satisfaisant. Bon, ben, bah, bonne soirée tout le monde. La bise. Et je vais voir si je peux vous envoyer un raid. C'est plus la ligue d'ailleurs.